you On est en ligne. Et bienvenue pour l'épisode 252 du Cops. Aujourd'hui retour de Juan et disparition de euh, Mike. Ou, un jour une équipe complète peut-être. <laughs> oui bon ça va ça fait que quoi deux semaines je crois non trois. Trois. trois semaines de suite. Ouais. On remarquera que c'est toujours la même paire hein, mais bon. Euh, non parce que c'était la dernière la fois d'avant c'était Wedge c'était moi en fait <rire> <rire> voilà. ah, pas la semaine dernière non mais la semaine d'avant donc euh, bah, je laisse aux soins à Obi et Wedge de faire le résumé de l'épisode précédent bah tu viens de nous le dire avant qu'on lance qu l'enregistrement <laughs> c'était une grande cinématrie, une grande cinématique <laughs> voilà et donc euh, bah on ne fait pas... Oh, okay, on je, va je vais faire autrement. Qu'est-ce que demandé... tu as appris et qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire Alors, on nous a demandé de faire un autre rapport sur l'enquête en cours vis-à-vis euh, -vis de, euh, de la situation de Little donc la fliquette euh, euh, canadienne qui est euh, infiltrée euh, au, euh, au, 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 en Californie. En gros, le, le discours que nous, on a tenu, c'est que... Euh, elle a été manipulée pour porter le chapeau, et que euh, ce qui a fait le coup, c'est un agent double euh, euh, russo-canadien. Et que c'était une autre hypothèse. Voilà. On n'avait pas de preuves tangibles là-dessus, mais que on avait des preuves qui tendaient vers ça. Et euh, voilà. On n'avait donc... pas des preuves, on a un faisceau de présomption, c'est tout. Non, 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 nous on a des preuves parce qu'on on est, on est allé dans l'appartement de. Du contact euh, de Littleman, qui était un diplomate euh, canadien, et en fait, on a trouvé des enregistrements où il parle russe avec une nana, et cette nana le but Et donc, on pense que c'est un agent double, donc il travaillait euh, pour pour la mafia russe et et, euh, sur le, et pour euh, le contribuable canadien. Et euh, mais qu'il était, euh, voilà, qu était plutôt russe, et en fait les Russes ont décidé de le, de le supprimer pour diminuer le nombre de témoins et de, et de sources. Voilà. C'est ce qu'on pense. Donc nous, on a l'enregistrement où il euh, y a, a l'assassinat qui se passe, quoi. Et où ils discutent, et, euh, avant, et le mec a très bien compris qu'il allait se faire buter. Et visiblement, il accepte la chose de façon assez euh, canadienne, je vais dire. Et de là, euh, donc de, grâce à ça, nous on a fait notre rapport en disant bah, ce qu'on avait dit, on a discuté entre nous pour savoir qu'est-ce qu'on en allait mettre dans nos rapports euh, chacun. Et donc on a plutôt euh, parti là-dessus. Évidemment, Damas qui n'était pas ultra chaud pour euh, pour avoir ce discours-là, mais plutôt ici euh, d'enfoncer. De, les... euh, et donc après ça, on a eu une réunion au sommet euh, de la tour euh, du Lépidi avec. Euh, avec le président, non. alors, non. était en visioconférence, en visioconférence, il y avait le pas... président. Non, non, non c'est dans l'ambassade canadienne, s'il te plaît. Ah oui, oui, ouais, c'est pareil. Mmh. <laughs> du coup, euh, bon, du coup, en haut placé euh, dans, en Californie, quoi, dans une ambassade, donc, euh, un petit peu en dehors du droit international, tout ça, tout ça, quoi. Et, euh, et donc, on a eu euh, un rendez-vous avec euh, avec le, il y avait nous, plus le... notre patron euh, du Lépidy. Euh, plus un politicard euh, à la con de Californie et euh, en visioconférence, euh, la première ministre du Canada et euh, le président de Californie. Ça se pose là comme réunion, si tu veux. <laughs> voilà. Et en gros, on, le Canada nous a informé. Il y avait Yale Littleman aussi qui était présente parce qu'elle a été récupérée par les autorités euh, canadiennes et euh, qui nous a officiellement informé qu'elle était une qui était au service des agences, du service secret euh, canadien et qu'elle a en gros euh, éliminé quelques euh, trafiquants qui empoisonnaient un peu le Canada euh, mais qui étaient pas de, qui étaient de seconde zone en Californie qui n'étaient pas des, si, considérés comme euh, importants okay. en Californie mais qui étaient importants pour le Canada voilà et ce pourquoi et en fait elle a, elle a euh, alors qu'elle était euh, quelques mois euh, avant, elle a été chargée par son contact d'aller euh, d'aller buter un Gugus, mais ce Gugus avait l'air d'être au courant qu'elle allait le buter. Et donc, du coup, ils se sont battus, elle a réussi à gagner. Mais non, juste. Elle n'a même ça. pas été envoyée pour le tuer, elle a été... on lui a donné un rendez-vous à cet endroit, et lui aussi, il a eu un rendez-vous à cet endroit, ils se sont vus l'un et l'autre, et ouais. ils se sont entretués parce que, bah. Parce qu'ils que... se connaissent. Et du coup, c'est là qu'elle s'est dit que peut-être qu'il y avait euh, des gens qui avaient euh, bavé un peu. Et donc elle a essayé de. Re... Je suppose qu'elle a essayé de remonter un peu la piste là-dessus, mais elle a, elle pas, a pas pu, plus plus parce que le sable. Voilà, mais elle a été gênée. Mais elle aurait bien aimé le faire en tout cas. Et euh, voilà. Et du coup, euh, bah, elle nous apprend ça, donc qu'elle était euh, entre guillemets agent secret et que là, a priori, on charge de continuer à faire euh, notre truc et. Le sur le gâteau. On a appris que l'organisation de terroristes mafieux, mafieuse russe a pour plan et a commencé à, à activer ce plan-là de déclarer l'indépendance de l'Alaska et de prendre en, et de gérer l'Alaska entièrement. Voilà. Oui, parce que en gros, ça, ce, que, ce que vous avez appris, c'est exactement, c'est qu'il y a un, un pirate russe, je dis bien un pirate, hein, en sens, qui a décidé de euh, déclarer l'indépendance de l'Alaska et fait une demande de rattachement à, à, à la Russie et ah, carrément. Ah, carrément. Oui, et il a bien sûr, il a donc il a demandé à l'Union d'avoir son indépendance donc aux États-Unis en disant que tous les gisements de pétrole, il les a il les a sous son contrôle, si euh, il, il tente quelque chose, il fait tout sauter et qu'il il a aussi des de matières. Oui, donc il, il a ses Et, et, a, et la première marée noire qui est apparue, c'est parce qu'il a, a il a il a clairement mis à exécution euh, la preuve qu'il est capable de le faire et qu'il le fera. OK. Voilà. Et donc, exactement, pour reprendre euh, la fin du truc d'Obi, vous êtes placé euh, sous le commandement d'un... Alors, j'ai plus le grade du gars, mais... Euh, je vais de regarder si je trouve à plus. Ah ben, elle est où la feuille Je l'avais il y a une seconde. Ah, elle, là. <laughs> du du colonel Aram coup... Dickens. Et de euh, Richard Avelon, Avelon, qui est, euh, comment s'appelle, politicien, euh, bah, c'est au parti, je pense, du gouvernement, donc euh, c'est l'équivalent du, du Parti Socialiste, je ne me rappelle plus du nom, Démocrate Visionnaire. Et en deux, bah, en gros, c'est eux qui vont donner les ordres, euh, et vos deux capitaines ne sont pas spécialement joyeux de laisser des membres du COPS sous les ordres, ainsi qu'un un, un, un officier du SAD et euh, un officier. De, bah, de, du Canada, vu que vous avez euh, dans votre équipe maintenant euh, Eve Littleman. Euh, Little Little en en termes terme de, de jeu, c'est simple, il y a une équipe qui aura la masque, une équipe qui aura Niv, qui sera jouée par une autre personne. Voilà. Donc on verra qui a qui après. Et euh, à ça, en fait, or, les ordres qu'on vous a donnés, c'est que... Bah, euh, en gros, ils ont besoin de, euh, de la couverture plus ou moins légale du cops pour mener des actions légales. Du moins, avec un, un vernis légal sur différents. Euh... Pourquoi j'entends des ding-ding je Parce pas. que Sir. Cire... Ok. Euh... Tech. Non, on t'entend pas depuis tout à l'heure, Sir. Alors. Euh, ok. Donc. En grosso modo, on va aller geler les miches en ASK. Non. Non. Pour le <laughs> moment, en fait, ils veulent que vous enquêtez. Ce qui se passe en Californie, particulièrement à Los Angeles, pour les activités de ce gars-là, vu que pour eux, c'est ce gars-là qui est plutôt responsable de, le, de la. ou euh, des autres personnes, mais en tout cas, le gars qui est à l'hôpital était lié à ce. Début de piste, le gars à l'hôpital. Non, début de piste, ça c'était avant. Ça, avant mais... Parce que le SCRS euh, a des informations qu'ils vous ont donné donc, je me rappelle. Je reprends le truc euh, tadada, que en gros la bombe incendiaire qui, est, euh, qui a fait péter le, le quai là, mmh. bah, elle a été rentrée illégalement en Californie. Elle n'a pas été construite sur place. Et que pour ça, il bah, y, y, y a plusieurs réseaux. Et que euh, les, les services secrets canadiens ont repéré un trafiquant du nom de Brian Hall, qui serait potentiellement le. Euh, la personne... Euh, aurait fait passer ça. Un... Le problème, c'est que le monsieur a été retrouvé mort il y a deux jours euh, flottant dans le port de Santa Monica. Il est connu pour travailler avec les Edge Angels. Et on, ils savent qu'il organisait des passes entre elle et Anchorage euh, faisant concurrence aux passeurs russes. Il opère en tandem avec Page Levenson, dit Big Boobs. Cette dernière, euh, bon, on s'en fout ça. Miss Levenson... Euh, euh on sait que Miss Levinson a fait courir le bruit que la mort de Brian était liée à un attentat à la bombe. Donc, et euh, les Canadiens pensent l'avoir localisé dans un hôtel euh, non loin de Long Beach, à San Diego, et vous donne l'adresse. Donc forcément, il y a une équipe qui va aller là-bas, pendant que l'autre équipe va aller à Red Hondo Beach pour visiter les bateaux du couple il ignore exactement où sont les bateaux en lui-même, mais ils sont probablement cachés dans la marina en ruine. Donc, il va falloir euh, aller sur place et retrouver les bateaux, parce que potentiellement, des traces... Euh, enfin, voilà. Voilà. Donc, Donc en gros... va à l'hôtel pour prendre Big Boobs, et euh, l'autre équipe va à la marina pour euh, fouiller les bateaux. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils font ah, vais... Est-ce qu'on peut régler le problème technique de cire ou pas Quelqu'un qui qu peut... Ah, si. Non, mais c'est un problème de merde. Ah, hein. ah, bon, bon, oui, bon, je sais, c'est bon, mes bon. écouteurs qui sont KO. Donc à chaque fois que je vais devoir parler, je vais devoir débrancher mes écouteurs. Ah, yes. Et désolé d'être en retard, en fait, mon train il devait arriver plus tôt, mais il a eu du retard, du coup, euh, je suis à la bourre. Okay. T'inquiète, t'étais pas la seule. QFD. Hum... Donc on a l'équipe euh, Line euh, de Nice. Et oh, euh... Lynn, elle a envie de se mouiller. Ah bon Non, je sais pas, je dis ça comme ça. <laughs> je pense que Dennis fait part à Lynn du fait qu'il aimerait bien se faire la marina. Ouais, mais non, moi je préférais euh... je préférais euh... l'hôtel crasseux. L'hôtel crasseux, parce que c'est là que euh, elle, elle va, elle... il y a des gens qui sont en train d'essayer de, de la buter. Donc potentiellement, euh, quand on va arriver, il va y avoir des méchants qui veulent la buter. Et donc potentiellement, on peut buter les méchants qui veulent la buter. Je suis certain qu'il y a des mecs qui sont en train de poser des bombes pour essayer de faire péter les bateaux et que ça va flinguer. Ouais, mais non. Les bombes elles sont déjà là. Les bombes sont déjà à la marina. Ces arguments pour prendre telle ou quelle enquête sont pas si roleplay que ça, je trouve. Il y a un petit côté bêta, ok, d'accord. Bah écoute, je pense que Juan et Mike sont partis vers la marina parce qu'apparemment. En fait, oui. non. Euh, Juan va avec Lynn, je vais aller avec Mike euh, parce qu'en fait, euh, je me rends compte d'un truc pour la marina, c'est que j'ai, j'avais commencé euh, le permis bateau, on va dire. Ah... Dis donc, euh, tu conduis des hélicos, tu conduis des, des bateaux, tu, tu, tu penses te mettre en retraite à la sauce Magnum ou... Bon, C'est le, le copain de Magnum qui faisait des tours en hélico et en bateau pour des riches clients. Ouais. Ok. okay <laughs> merci. Tu te rends compte qu'il n'y a que toi qui a, qu a une référence ah. à Magnum hein, quand même. Je... <laughs> non, non ah, mais je moi, moi, moi je vois de quoi il parle. Exactement. <laughs> non mais... Il voilà. non, non, bon, faut voir de quoi non, il parle et avoir bon... vu des épisodes. Il y, 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 y a quand même un, un monde. C'est hein. ça. ça, ça, ça. <laughs> Et surtout, ça a rappelé des épisodes. J'aurais dû en voir, mais j'étais trop jeune pour m'en souvenir. Mais... Exactement. Mais <laughs> je sais pas pourquoi, moi je vois très bien Lynn avec Zeus et Apollon, tu vois, deux grands Rottweiler. Euh... <rire> <rire> euh... <rire> On n'avait pas dit qu'on arrêtait les rêves de Boomer, hein, je me rappelle plus. Non, non, je non pas ça, encore. <laughs> ouais, 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 bah, hein, j'en pense pas moi. Bon, bref, donc, Juan et Lynn euh, à l'hôtel et Mike et Denis euh, à la marina. Yes, si, si ça va au concerné. Moi, ça, euh, bah ça me va. Euh, N'oublie pas le chien à la Marina, hein, parce qu'il pourra t'aider, yes. je pense. T'inquiète. Ok. Bon, euh, vas-y. Qui... Non, 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 il vous manque quelqu'un dans chacune des équipes. Damasque, Little Man. Oh, Alors on prend Little Man. Ouais, pourquoi ah, non, moi, je veux Little Man Voilà, c'est fait. <laughs> Dam Damasque <laughs> se sent un peu rajouté. Oh, euh... Ah oh bah on va prendre Damasque, ça va être une... Ah on ouais, Damasque, on l'aime, il le sait. Hein. Ça va être une temps, opportunité alors, de, de s'en débarrasser, peut-être. En même temps, si Lynn me dit qu'il y a une forte probabilité ah. qu'il y ait une fusillade, moi je dis qu'on peut prendre Damasque, oui, ça peut être intéressant. Ah. Pas à l'abri <laughs> d'une belle perte. <laughs> qu que... De quel côté t'es toi <laughs> Sachant qu'il faut que quand même quelqu'un le joue dans chacune des équipes, hein, dans l'autre équi... équipe. Donc qui joue Little Man, qui joue Damasque. J'avoue que moi je préférerais jouer Damasque dans l'autre équipe, mais bon... <laughs> pas bien, je veux Little Man, hein, mais je sais pas bien l'accent québécois. Hein. Mais non, mais toi tu dois le jouer. Elle Et... Et... pas d'accent. Mais non, si c'est Little Man avec toi, t'as pas à le jouer. Ah oui, vous, vous devez jouer Damas. Elle ah, pas l'accent québécois, mais la lame l'âme québécoise, hein, ça c'est sûr. Québec libre oui. Mais, mais, mais ça, non, je... elle, a, elle a pas l'âme québécoise. Elle a même pas de québécois. Elle a jamais été québécoise, Little Man. dis ça parce que vous aimez pas le Québec libre, c'est tout. Oui, de goal. J'ai un contre le Québec libre, hein, mais euh... Alors, il y en a au qui contraire, des rêves hein, du boomer, fait... mais il y en a, c'est des rêves qui sont encore plus vieilles, hein, je veux pas dire. Euh, dire, euh, quand même. <laughs> dire, merci Chrome de remarquer quand même que là, on c est au-delà du boomer. Non, hein. ouais, veut... Québec libre, c'est juste une rêve de personnes qui ont fait le collège, hein. Euh... Alors, moi, je suis désolé, j'étais même pas né quand il a dit ça, hein. donc euh, voilà. <laughs> Vous, vous faites référence à des sitcoms des années 80 obscures. <laughs> Aussi obscure que ça la, <laughs> moustache, la moustache de Magnum est, est, est mondialement connue. C'est la moustache <laughs> gay la plus connue sur la planète. Bah ouais. Bonjour. Rien à dire. J'abandonne, j'abandonne. <laughs> 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 Vainqueur par chaos. Ouais. Bon, alors, c'est pas de tout ça. Qui euh, fait Damasque chez nous Et euh, moi, je sens que. Vas-y, fais Little Man. Parce que moi, moi, je préfère. Je retiens mieux le Damasque comme euh, celui chez les autres. Bon, alors, je ferai Little Man pour la Marina. Maintenant, qui de vous deux euh, fera euh, Damasque pour nous à l'hôtel hmm. Damasque, euh, j'arrive pas trop à le, à le tenir, en personne. Ta masque à l'hôtel, ça fait titre d'un mauvais porno, je trouve. Mais tellement, mais tellement <laughs> Bon, bah, si, hein, fais ta masque. Tu l'as fait la semaine dernière en plus, donc. Euh... Ouais, le problème, c'est que là, euh, elle, a, elle a des problèmes techniques, donc ça va être un peu embêtante pour elle, je pense. Ouais, c'est compliqué. Si ça te ah. va ou pas. Faut que tu sois capable. Ah, de toi. quoi Quoi Elle a dit de quoi Ouais, c'est en... exactement ce que je disais. Voilà. <laughs> j'ai entendu les problèmes techniques. Bah, euh, Obi te demande si tu veux jouer Damasque de, de l'autre équipe et moi j'ai dit c'était un peu chiant pour tes problèmes techniques. Ouais, J'avoue c'est un peu chiant. Bon bah du coup Denis si tu fais ça et le, et le mot clé à retenir. Juste être il faut chiant sois... c'est ça Non. Oh. non voilà. Caspier. Pas juste être chiant. Euh... <laughs> faut, faut faut être chiant mais réfléchi en même temps. Ok. Ça va être compliqué, Wedge, on est avec toi. faut être orienté. Euh... Non, je le ferai. Ori orienté dans quel sens <laughs> Non, mais sinon, Wedge, ouais, t'embête pas. Je ferai. Alors, ouais, euh... non, mais je vais pas y arriver, en fait, je pense. Mais si, Wedge Orienté, c'est vers l'est, par définition. D'accord. Mais si, ouais hein. hein. Wedge, de... ouais, tu peux le faire, tu vas y arriver. Ce silence est gênant. Mais vous êtes tous des connards je, je peux essayer, mais, es, mais Chrome, si tu vois que je que j'y arrive pas, tu, reprends, tu me le dis et voilà quoi. Ok On fait ça Bon euh. ouais, après, n'inquiète pas, hein, on, va, on va pas demander une prestation euh, digne des Césars. Hein. Ouais, je vais quand même essayer. Plutôt des ouais. Fais le... oui, Oh là là Il n'y a pas d'essai. Chrome Quoi Chrome on fire <laughs> Alors, une seconde, je t'envoie En même un... temps, euh, les Gérard d'Or seraient de la gueule. Hein. Monsieur Wedge, je, je t'envoie un petit texte. Euh, MP je sais, je Discord dois... ouais. Ben bah, oui, par Discord, oui. Mais une petite seconde, je sais... Non, non par hibou par... Je ne suis pas Harry Potter. Alors... Euh... C'est rare les langues qui distinguent euh, la différence entre hibou et chouette. Voilà. Hop, tac. Donc, monsieur Wedge, je, je t'envoie un petit message. Oui, je sais que c'est ici. Voilà. Au cas où. Concentre-toi surtout sur l'objectif. Hein. Il, il a un appareil photo, du coup. Réflexe automatique. Non, c'est pas l'objectif, monsieur Obi. <laughs> Donc, euh, bon, on commence par qui C'est-à-dire, Monsieur les Canadiens, tirer les premiers. Je vais commencer par l'hôtel par rapport à, à la temporalité que j'ai fait. Bah par contre, quand on y va, on y va. Enfin, on y va à fond, on court dans les bagnoles, on met, euh, on met le le, le gyro et on y va à fond. Hein. C'est vrai, je peux. Euh, ah carrément. Euh, ah là là. T'as pas confiance hein Bah c'est surtout que non, c'est pas que j'ai pas confiance, c'est surtout que j'ai peur que le témoin qu'on cherche à choper, quand on arrive, il soit déjà refroidi quoi. <laughs> ok euh, vous connaissez pas l'adresse spécialement, comme je disais. Euh, donc on avait dit c'était où. Parce que... On éteindra peut-être le giro quelques centaines de mètres avant. Mais... Ok, ok, il a pas de souci là-dessus. Je vérifie juste l'adresse par rapport à... Donc c'est au Sandy, San Diego. Donc c'est un, peu... un peu excentré de la ville. Vous, a... vous arrivez là-bas. J'ai euh... été en mode Fast and Furious pour gagner du temps. Hein, vu ouais, je suis pas de jeu, je pas de jeu pour avoir. ça. Oui, il a pas de souci. Euh, donc, l'hôtel en question, bah, vous renseignez, je suppose, en même temps sur le trajet. Lynn, tu me fais un petit oui. jet euh, de euh, sang-froid euh, bureaucratie, allez. Il est souvent utilisé par le service de protection des témoins. Hein <laughs> euh, sang-froid bureaucratie ou sang-froid, euh, comment s'appelle, euh, informatique, au choix. La difficulté est de... Il faut tous qu'on le fasse Non, comment ah, Non, que, que Lynn. Line... J'ai fait deux. Bah c'est réussi. Ouais. Euh, bah c'est simple, hein. bah, En effet, c'était un hôtel vu que en fait c'était même un casino qui a fermé il y a plusieurs années. Bah... D'accord. Donc c'est normalement un bâtiment abandonné. Et à la marina, ils auront un capital abandonné euh, Ce que tu as en renseignement, c'est qu'a priori, euh, il a été racheté par un groupe de religieux. Et en effet, quand vous gariez non loin... Euh... Le bâtiment est bon, il n'est pas en bon état, mais euh, il a l'air quand même entretenu. Alors, est-ce qu'on a le nom des religieux Parce qu'il y a une différence entre l'église des saints des derniers jours et l'église du satanisme conspué, tu vois. C'est pas exactement pour le coup, la même chose. Hein, c'est marqué, C'est marqué. Il y a une pancarte et c'est marqué devant. C'est euh, l'église du Saint-Sacré. -Saint bon, ça va. Ça, ça, déjà, ça augure pas des, des fidèles armés de. Enfin, tu me diras, du Saint Sacrement, ils peuvent aussi sacrer euh, des M16 automatiques. Euh, Pour ce que Dieu a dit, tu te défendras toi-même, mais bon. Mais tant que c'est pas des M16 automatiques gays, a priori, tout va. Alors c'est des M4 maintenant, mais tout fout le camp. Bah Donc, ouais. Ok. Donc on coupe le, la sirène à 100 mètres, on se gare, et euh, procédure classique euh, bah, fait... c est, c est, Je pense que s'il n'y si, si a pas de... de, de comment dire S'il n'y a pas de gens armés d'armes de, de, automatiques qui tirent dans tous les sens, on peut, on peut se caler 5 total. minutes et observer. Et essayer d'identifier dans, dans les gens qui sont là, est-ce qu'il y a une certaine euh, Big Boobs qui a Alors, un prénom, euh, Vous Pech. êtes à l'extérieur hein. Pour l'instant, oui, on est à l'extérieur, mais juste voir s'il y a des oui, gens qui sont pas... Ah, attends, attends, fait voir Les personnages s'appellent Big Boob. Oui, Page, uh, Big Boobs uh, et Merci. Evanson. Ah, c'est subtil, hein. Oui, et... tout à fait. Je, je lis, lire hein. Cette dernière doit son surnom de, à son énorme poitine, un argument de poids qu'elle cache à peine lorsque les douaniers fouillent son bateau. Voilà, je l'ai marqué dans le bouquin. J'ai cru que euh, j'avais quitté un épisode de Cops euh, pour aller sur un épisode... Euh... Merde, comment il s'appelait cet anime japonais ben C'est bon, t'as pas besoin d'en dire plus. Ouais, <laughs> euh, C'est comme le, 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 le scénario où t'as les, euh, les brèves de radio avant chaque euh, chaque jour et dans la brève de radio, à la fin, t'as le, le nom d'une musique. Je sais okay. plus quel scénario c'était. Euh, à chaque fois, le nom de musique, c'est n'importe quoi, quoi. ou quelque chose. Ouais. Euh, par contre, une précision à Damasque qui est avec nous. Euh, si on rentre dans le bâtiment, euh, il est derrière nous et il ne fait pas feu de lui-même. Il attend qu'on ouvre le feu pour ouvrir le feu. Wedge D'accord. Et euh, Mais non, tu, en religion. Mais... tu devrais demander s'ils ont leur mandat quand même. Ah oui, c'est vrai. Parce Vous que je... bah, On n'est pas rentré là pour l'instant. J'ai bah, ce que j'allais dire. Pourquoi tu veux qu'on ait un mandat vu qu'on n'a pas rentré On ne rentrera que si on a une, une certitude qu'il y a un danger présent et immédiat. Parce qu'on connaît bien notre petit manuel. Faites-moi un jet de perception instinct de flic, messieurs. Mais je demande. demande... T'entends ah s'il s'y connaît en religion parce que s'il a fait le stage de diplomatie religieuse. Euh... Pas à répondre non hein, ouais, Jean. <laughs> Je crois non. Et je te dis 4 succès à perception instinct flic. Ouh. 3 euh, pour ma part. Tu prends tes stats wedge ouais, pour faire le jet, s'il te plaît. Je ne veux pas m'embêter à faire des stats pour damasque Ouais, attends, je regarde. On ne s'embête pas pour Damasque. Oh, tu mets euh, 3 C7 pour tout. C'est le qu'il doit avoir. C'est le résultat. Moi, j'aurais dit que c'était plutôt 2 C8. 2. Ouais, bon, euh, ok. Alors, c'est simple. Hein, le bâtiment, comme je disais, bon, est dans un pas en super état, mais encore entretenu. Euh, majoritairement, la population qui rentre et qui sort est plutôt féminine, désargentée et accueillie par des bonnes sœurs. Et euh, des bonnes sœurs, euh, on est sur de la bonne sœur, euh, comment ça s'appelle, euh, qui, qui est plutôt euh, pas très bien nourrie. Euh, enfin, ça, 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 ça... l'impression d'être dans un. Bah, c'est une espèce de congrégation religieuse dans un bidonville, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, c'est pas de la bonne sœur bavaroise, quoi. Ouais, on est non. bien d'accord. Enfin, euh, certaines, ouais, elles ont les très très tirées. Euh, disons qu'elles font tous 20 ans de plus que leur âge, facilement. Ok, au bout de 5 minutes, euh, rien de neuf, mis à part la population qui rentre non. et qui sort. Non, non. Mais du coup, il n'y a, a pas un petit jardin avec un potager où euh, les nonnes font euh, leur, leur, leur jardin bah, en Dans tout Un cas, casino, ça serait étonnant. En tout cas, pas à l'avant du, du cas du truc. Hein. Majoritairement, à l'avant, il n'y a pas beaucoup de plantes. Hein. Après, en faisant le tour, peut-être que tu trouves. Le truc, c'est qu'il y a une partie qui est, qui est fermée. Hein. Ouais. Mais bah, Donc... du coup, nous, on a l'info qu'elle est là vis-à-vis vis 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 des services secrets canadiens, non C'est ça. Mais du coup, le mandat, euh, ils vont nous dire d'aller nous faire foutre, non Bah, officiellement, t'as pas de mandat et euh, ça va être dur d'en obtenir un euh, d'un juge. Euh, même si t'es capitaine, il pousse. Euh, en entendu. même temps, tu, 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 peux, tu peux demander à l'avoir. Hein. En arguant que, justement, on peut lui proposer une protection. Oui. Voilà. T'as pas besoin d'un mandat pour aller voir quelqu'un. Non, non, ça, je suis d'accord, mais, euh, mais bon... Mais ça, ça, donne, un mais ça donne un poids. Mais là, ça donne un poids. Mais là... On peut juste demander aux sœurs si on peut rentrer. Euh... On a une photo de, de cette personne ou pas euh, Ouais, ouais, pourquoi pas C'est pas, c'est pas gênant. Euh, histoire, histoire que si on la croise, on puisse la reconnaître, quoi. Mais, euh... Oui, oui, oui. La bon, euh, photo date ça... un peu, mais en effet. On peut, on peut, on peut tenter le coup d'aller, d'aller di... discuter avec euh, la mère supérieure, quoi. En plus, euh, si c'est des bonnes sœurs, euh, c'est une congrégation. Ouais. Quoique c'est peut-être pas rattaché au pape etc. Mais bon, j'ai un bon feeling avec les congrégations. Pendant ce temps, de l'autre côté de Los Angeles, donc euh, donc sous l'axe Redondo Beach. Voilà. Donc euh, bah, qu'est-ce que vous faites C'est on est sur euh, une partie de la ville qui est à moitié dévastée à cause des, des, des tremblements de terre et de l'eau qui est montée. Bah déjà la première chose que je fais, c'est avant d'aller là-bas, en fait, je fais une demande d'avoir un bateau, quoi. Ah, tu parce veux y aller que... par la, par l'eau Parce, pas parce par que je, parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Bah, le truc, c'est que euh, clairement. Le, les gens de la, de, la, de la. Je veux dire de la fluviale, mais c'est pas la fluviale, mais en gros, euh, les autorités portuaires te disent que si tu leur dis. Ouais, bah ils te demandent d'ouvrir de, une, une, un truc officiel, en fait. Pourquoi tu. En pendant, sachant que t'as pas de numéro d'affaires qui t'autorise à prendre un bateau. Hein. Ah ouais, merde. Euh, Littleman te dit qu'il serait peut-être bon d'y aller en bagnole rapidement et euh, essayer de repérer oui, et euh. localiser les trucs euh, plutôt que de perdre du temps à l'administratif. Eh franchement moi j'ai stage plongé, j'y vais avec mes bouteilles. Hein. Ah pour... c'est une blague, c'est une blague wesh. Oui. Non, non non mais en fait ça va être chiant en fait de pas avoir de numéro d'affaires pour pouvoir euh, faire les trucs quoi. Donc bah, tu... on avait pas un juge. Euh... Non, c'est non là c'est de la bureaucratie ça interne, c'est pas, pas, de pas problème un problème à Little Man, hein, clairement. De de pas avoir de numéro d'affaires pour faire des trucs. Mmh... Je elle te, je... elle te dit <laughs> et, clairement et... Te que de euh, toute façon elle l'a fait avant donc euh, elle peut continuer à le faire après. Là vous, vous la couvrez. Oh la James Bond Girl, tu te calmes d'accord <laughs> tu, 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 tu connais deux flics qui, qui ont une enquête officielle ouverte. C'est vrai. Alors, monsieur Tlon, je vais t'envoyer sur. Euh, même chose que Wedge vu comment tu joues. Je vais t'envoyer un petit euh, laïus pour Little Man s'il te plaît. Mm -hmm. Je l'envoie sur Discord. Oui, <laughs> c'est mieux. C'est mieux. Non, non, mais par contre, j'aime ai, bien quand même le coup de. Voilà. Non, mais on ne prend pas du plaisir à jouer de masque. Non, 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 non. non j'aime bien la façon que Tlon joue. Euh, Là, la la, 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 la la réplique la réplique. Euh... D'accord. Il y, y avait quelques potards poussés un peu trop loin. On est d'accord. Mais bon. Merci. Mm. Cela dit, euh, il si y a un personnage. Qui Attends, juste dans ce que je t'ai marqué là, s'il y a, si a un nom qui ne te dit rien, c'est normal, et merci de ne pas le spoiler. Okay. Euh, par contre, euh, oui, j'allais dire, euh, euh, notre ami Littleman peut, peut te sortir qu'il y a un truc sympa au, au Canada qui s'appelle la réquisition temporaire. C'est-à-dire que si tu as besoin d'un bateau, tu peux demander à le réquisitionner à, à un citoyen le temps de pouvoir effectuer une opération et de le rendre après, sachant que s'il y a des détériorations, il peut faire une demande de remboursement en bonne et due forme. C'est ce que vous avez fait aux terres indiennes, c'est ça bon, ben, T'es là, toi, <laughs> oh, <'es> toi. <laughs> C'est pas là. C'est bien ce que je me disais, t'es pas là, Lynn, non Non, non, je suis pas là, bon. Voilà. <laughs> mais bon. Merci. Mais c'est mieux placé, je trouve. <laughs> Ouais, c'est vrai qu'on pourrait toujours essayer d'aller euh, demander euh, à un concitoyen nous euh, prêter voilà. un bateau. Mais bon, après, ça Attends, sera pas un la, bateau rapide. La, là où quoi. on va, a priori, euh, c'est plus dévastation et... mais c'est oui, oui, pas, vous c est que... pas le, le quartier. Je vous, vous suggère de passer au commissariat du coin, pour poser des questions sur le quartier et peut-être ce qui s'y passe. Mais bon, c'est... Euh, parce qu'on vous a dit, en gros, c'est dans le quartier qu'il y aurait un port entre guillemets, illégal. Ça vous fait les pieds. Mais... Euh... Voilà, mais les infos de première gare. Euh... Soit, soit vous avez des contacts dans le coin ou qui qu connaissent le, le, les, les trafics fluviaux, euh, enfin, les trafics par la mer, soit il euh, va falloir passer par la casse commissariat du coin. Je, Je vous dis ça comme ça. casse commissariat du coin est pas mal. Hein. Parce que si ah, vous ouais. comptez prendre un bateau pour longer la côte, étonnamment, euh, vous n'avez pas trouvé grand-chose en fait. Hein. Bah oui, parce que si c'est illégal, forcément c'est planqué, et si c'est planqué, c'est fait exprès. Quoi. Et mais alors est pourquoi est-ce qu'on va pas vite fait au Comico du coup on peut y aller rapidement. Ouais. On peut. Moi, je vous suis. Hein, après tout. Euh... Ouais, vous aurez pas besoin de mandat pour rentrer, ça <laughs> C'est déjà ça. Ok. Vous arrivez sur place. Le capitaine du commissariat vous salue, vous demande. Euh, euh, enfin, il vous, de, euh, si vous. Si vous avez, euh, si vous avez dans encore le, dans, le dans le coin, en fait, pour revenir ici, parce que bon. Euh, Certes, il s'occupe aussi de l'axe, la... de... donc s'attendant euh, que vous veniez pour euh, un truc à l'axe, vu qu'il vous a déjà rencontré plusieurs fois dernièrement pour ah, faire non, a... Pour des prises d'otages qui se sont passées bizarrement. On voit pas où est le problème. Ah lui, il le voit. Parce <laughs> qu'il a dû se faire une partie de la papa. Moi, j'ose les épaules, je suis pas au courant. Donc <laughs> <laughs> euh... Alors, je, je te suggère de ne pas lui répondre, air désavolte, on fait pas d'omelette sans casser deux. Je crois que ça passerait très mal. Alors, désolé pour la paperasse, mais que, quand ça se passe mal, c'est pas forcément de, notre, de ma faute. Ah, à es ce que tu as besoin, en fait. Mais, euh... Je l'interromps ah, ah. En mettant ça sur son épaule, et je fais... Non, mais pardonnez, mon collègue. On a vraiment une journée hyper difficile. On se demandait si vous pouviez euh, requérir votre aide. Euh... Et genre, je suis mon meilleur sourire. Qu'est-ce que vous voulez exactement en fait euh, Nous sommes sur une enquête. Nous aurions besoin d'avoir accès à un bateau. Okay. Et euh, aussi des le même formulaire que tu avais tout à l'heure. Oui, bah ça sert à rien. Euh, et aussi, comment. Euh, comment euh, Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le quartier de. J'ai oublié le nom du quartier. Et, et, et d'un port, euh, port illégal, et d port, ouais. voilà, Et d'un port illégal. Clandestin. Euh, ou clandestin, est-ce que vous sa sauriez s'il y a ça euh, bah, Il vous dit d'aller voir tel service dans son commissariat. Merci beaucoup. Il n'y a pas moyen, Chrome, de le. Un peu pas de le soudoyer, mais de le dire en il n'y a pas moyen de trouver une solution pour aller plus vite ou je ne sais pas quoi bah, En fait, tu, 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 tu lui demandes des opératif. informations qu'il ne va pas connaître, en fait vu que c'est des, en des enquêtes en cours de ces... des gens qui sont sous ses ordres. Ouais, ouais. Euh, Le seul moyen que tu ailles plus vite C'est que lui dise à ses gars d'aller plus vite Mais actuellement euh, Vu comment vous lui avez parlé euh, Il n'y avait pas de raison en fait Il ouais. n'y a rien qui le pousse en fait à être plus rapide Que euh, la procédure Après tu peux dégainer ton pling Ouais euh... <laughs> J'ai un doute va... Donc euh, Clairement c'est l'anti-gang Vous allez vers l'anti-gang Ok donc il euh, y a cinq personnes de l'anti-gang dans ce commissariat, qui euh, quoi que, ouais cinq six, ouais c'est pas mal, qui sont en charge de plusieurs enquêtes, qui sont bah, vu le nombre de gangs à Los Angeles, bon, c'est pas ils sont pas ça à la, à au la central, mais ils sont quand même ils ont pas mal de, de, de dossiers en cours, donc ils sont très occupés. Ok bon ben bah... Bah, c'est à vous oui. la main. Hein. Oh, oui non mais... bonjour. Oui. Oui, euh. Denis euh, Cops, euh... j'aurais quelques questions à vous poser. Ce... Mais, mais je te ce... reconnais Je m'en rappelle Il y a de ça, qu ça... c'était quoi, il y a un ou deux ans Le mec a affronté un babouin à main nue <rire> mmh... <rire> possible Là, 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 mou... enfin, euh, euh, Little Man fait des yeux, mais alors, euh, l'air de dire, c'est pas vrai, c'est une légende urbaine. et oui, vous êtes bien devant Babouinor euh, non, pas bon. De... Le tueur de Babouin. Pas quand je vois, s'il te plaît. Alors, il l'a pas tué, il l'a bêtisé, <laughs> attention. Hein. Je, je, je l'ai pas tué, mais j je lui ai tenu tête. Oh, tu lui as fait du judo. C'est-à-dire voilà. voilà. que d Denis, c'était pas le genre de personne qui tue comme ça, qui défoncerait une cage thoracique et à coup de ton <laughs> oh. D'ailleurs, il, il en a du rouge Merci, en, le dur Merci, les Talmans. Denis a des principes. Bon, bon, on n'est pas, pas là pour remémorer les, les, les bons souvenirs, d'accord Ah, euh, excusez-moi. Euh... Ouais, Désolé. Euh, comment, je voulais avoir des renseignements si vous aviez euh, une enquête ou une affaire euh, qui tra traite d'un euh, port illégal de contrebande ou truc trucs comme ça. Ah, bah oui, complètement. Ah, c'est euh, nous... euh, bah, En fait, majoritairement, c'est une enquête sur les Ankar Gados 41 qui, euh, qui surveille euh, les, les, les bateaux dont on soupçonne certains euh, dans la marina d'être euh, illégaux et faire passer des trucs en investissement mais on n'a jamais pu les coincer donc euh, majoritairement pour le moment l'enquête est au point mort parce que bah on n'a pas les fonds pour enquêter sur eux et qu'on a d'autres urgences majoritairement plutôt sur l'hôpital enfin euh, sur l'hôpital euh, sur l'aéroport okay. et euh... en gros euh, il t'explique que euh, Actuellement, il euh, y a un gang qui tient en fait toute la sécurité euh, des bateaux de la, de, de la baie et que le port il n'est pas illégal, c'est ce qui s'y passe qui est illégal en ouais. fait. Et euh, le coup, pour bon, le coup, lui il pense que ces gars-là sont au courant de tout, mais euh, bah, ils font à la fois un travail euh, honnête parce qu'officiellement ils sont euh, en charge de la sécurité hein, de façon légale, mais ils s'en servent pour euh... voilà. Pour fermer ouais, les yeux bah, en bon ouais, moment. Ouais. Maintenant, euh, c'est. Euh, voilà. Après, euh, donc euh, le nom de leur chef, c'est Lorio Sima Junior. Et euh, bah, il te dit, euh, voilà, tout ce qu'il peut te dire. Le truc, c'est que euh, bah ils n'ont pas les fonds pour pouvoir avoir fait plus que ça, quoi. Du coup, c'est un, un port qui n'est pas très profond. Y a pas de fond. Ok. Vous euh, pouvez me, trans euh, me euh, transférer. vous euh, pouvez euh, ou me donner un, un numéro de dossier euh, informatique que je fais tout ça. Il te ou... donne l'accès. Ok, merci. Je regarde vite fait, je te fais un bureaucratie ou pas Et il te demande une signature, quand même là. Ah. Attends. Ouais. Attends, en mettant. Euh, bah, le... en, en signant le catcheur de babou, hein, s'il te plaît. C'est pour lui. C'est pas sur un document officiel qui demande une signature, si t'as pas compris. Vous savez qu'il fait aussi extrêmement bien le cri de babouin, hein. vous devriez l'écouter. Au oh, 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 moins j'ai mon premier fan, voilà, c'est tout. Ouais, je suis un peu jaloux d'ailleurs. Hein. <laughs> T'es pas là. Ouais, mais bon. Aline, elle n'a pas signé d'autographe encore. Littleman te demande réellement si c'est un fait avéré ou si c'est une l'agenda urbaine, cette histoire de babouin. Bah, t'aurais qu'à demander à Aline et à Arwen. Mais pourquoi tu te détournes de ton. de tes faits d'armes C'est ça. Sois honnête, hein. Et. comment dire. Merde, affirme-toi, quoi. Non. Bon, non, mais c'est pas ce ça, c'est que, tu... que si, si je dis oui, elle va pas Little Man elle va pas forc forcément me croire. Bah bon, et bah, tu, bon, oui, tu peux demander dès qu'elle aille vérifier en fait. Voilà, et puis c'est pour ça que je l'envoie le, je vers, vers vous, comme ça. <laughs> ok. Bref, bon. J'ai signé son truc. <laughs> et puis je, je je te fais un jet de bureaucratie ou pas pour feuilleter, non Non, parce que je t'ai déjà, déjà donné toutes les infos en fait. À la limite, la seule chose que tu apprends, c'est que le, euh, on le chef de gang est très à cheval, je euh, vais pas dire sur l'honnêteté, parce que c'est pas vraiment l'honnêteté, mais sur un certain nombre de principes et. Euh, il a un code d'honneur quoi. Voilà, il a un code d'honneur. Ah, D'accord, c'est un clingon, ok. Ouais, ou un samouraï. Hein. <laughs> ou un samouraï, ouais, mais je préfère les clingons. <laughs> Ou un Glingon boirait. Oh, <laughs> j'aime beaucoup. Trop de loyauté pour le, coup. <laughs> Donc... Trop de pour le coup. Voilà. <laughs> Dans tous les cas, euh, c'est marqué que, bon, euh, le gars est euh, souvent jamais rien lâché en termes d'infos euh, sur ses passeurs et, euh, et ça, maintenant, avec euh, l'enquête, hein on le C'est C'est eux les Los Angeles Non, Pour le coup, potentiellement, oui. Mais en fait, euh, vu que c'est un gang marin, ça m'étonnerait. Bah ils ont des, des... des scooters de mer C'est ça. Ouais, 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 ouais. <laughs> Dans tous les cas. On passe à l'autre équipe. Oui. Bah, je pense qu'on va y aller, hein. on va faire un petit tour. Euh, on va faire on, avant d'y aller, on va faire quand même le tour de l'établissement, voir euh, les entrées sorties quand même. Hein. Mm -hmm. euh, S'il y a euh, des trucs. À, à euh... pied ou en voiture. Eh ben, ça dépend de la taille du machin, en fait. si on veut le faire en voiture, est-ce qu'à pied c'est faisable sans perdre une heure et demie quoi euh... c'est faisable à pied mais t'en as pour ouais, 10 minutes quoi pas grave hein, soit ouais bah, on peut on peut prendre 10 minutes on fait le tour on vérifie hein. en gros clairement les autres entrées dont les entrées style sortie de secours euh, elles ont été barricadées d'accord donc il n'y a qu'une euh, entrée quoi il y a une entrée une sortie à l'avant. Entrée-sortie à l'avant. Ok, bon bah du coup, on va aller, on va aller à l'avant. Et on va essayer de... peut discuter... un petit jet de perception à Saint-Flic Ah, DSUV noir, enfin <laughs> Oula, damasque euh, fire. Hein il a fait combien 5. Ah, oh, c'est bien. Ah, Handfire, ouais, il m'a battu, je ne fais que quatre. Perception à Saint-Flic, c'est ça, Saint ça Ouais. ouais c'est parce qu'il psychote, il est sur le terrain, il n'a pas l'habitude. Moi ouais, j'ai deux. Bon, clairement, euh, c'est pas que les portes qui sont barricadées. En fait, c'est quasiment la majorité des fenêtres, en fait, et ça à tous les étages. Moi, je pense qu'ils ont converti ça en bordel pour. Je regarde Dean, avec un <laughs> regard montrant tout le désespoir et la compréhension <laughs> du monde. Là. Pardon. Sérieux, tu peux pas dire ça. Euh... Mais Moi, Je sais pas. <laughs> c'est des bonnes sœurs, Lynn. C'est des bonnes sœurs. Oui, oui, euh, c'est sûr. Hein. Santa Madonna. On n'est pas sorti de l'auberge. Bah, C'est difficile d'être euh, out euh, the in. C'est joli ça. <laughs> C'est <Merci>. joli. une veillasse in the room. Wow. J'ai mal au crâne. <laughs> bah, C'est un jeu de mots en anglais. Hein, oui, peu. oui, oui, je sais, je sais, t'inquiète pas, mais bon. Bon, alors, on y va, on demande à rentrer Oui. Euh... Vous arrivez devant l'entrée. Il euh, y a une bonne sœur, en fait, qui filtre, et qui vous voit, et qui se met, qui se met sur le passage. alors les pas bien... baskets, vous rentrez pas C'est un peu l'idée, <laughs> mais euh, elle, est pas, elle est pas bien forte, mais euh, elle vous demande ce que vous faites, en fait. Vous venez. Euh, C'est réservé aux femmes, ici. La mythe euh, elle fait un signal. L'île peut rentrer, mais vous, non, en fait. On essaie de protéger les femmes en même temps, on est cops, on est là pour protéger, donc. Euh... Bah, nous voilà. voudrions parler à une personne que nous pensons être pensionnaire de votre établissement et qui est en danger. Mais nous aimerions avoir son témoignage. Bah, écoute, ça te dit que. C'est pas à qui vous voulez parler, mais s'ils sont dans l'établissement, c'est qu'ils sont plus en danger, en fait. Ouais! Alors! <laughs> C'est le principe ça, ça, ça de l'établissement en question. Ça dit, pour accélérer le truc, euh, je veux bien attendre dehors avec Damasque et toi tu vas l'avoir, parce que ça serait... Je pense que ça éviterait beaucoup de trucs. Je pense qu'en effet. Euh, euh, on va avoir du mal, nous, à rentrer comme ça. Mais, euh, oui, je peux. Je, je sais que la règle d'or, c'est qu'on ne se sépare pas, mais va euh, bon, là, euh, on est bien d'accord qu'on a quand même... Euh, un peu un chrono au cul là, donc euh, si on peut accélérer le truc pour euh, que tu puisses la convaincre euh, de repartir avec nous, ça serait top. À repartir, je sais pas, mais au moins discuter, ouais. ouais on... Au moins discuter, mais nous, on, au pire, on t'attend juste à l'entrée. Euh, on n'entre pas, on attend juste à l'entrée. S'il y a le moindre problème, euh, tu nous gueules hors et qui on fonce, quoi. Oui. Bah, euh, il y a une entrée de service, y a une service qui, est, euh, qui est encore utilisée. Je, je suis en train de relire, mais ouais. Et il ouais, y a ouais. des jardins aussi. Bah, du coup, est-ce que. Est -vous, est que... vous en fleurs! Est-ce que je peux moi rentrer en tant que, euh, bah, pour, pour essayer de la trouver et est-ce que le euh, Damasque et euh, Rouen peuvent euh, euh, se mettre en position pour surveiller on va dire les deux entrées et un peu le jardin et euh... bah, c'est soit ils surveillent une entrée ou l'autre ou les deux mais ils peuvent pas faire en même temps le jardin pour le coup c'est pas les mêmes euh, angles ah y a, de... pas, y a pas moyen d'avoir angle... non le jardin est assez grand et laissé bien à l'abandon c'est à dire que c'est de la friche la d'accord pomme... Ouais, c'est bon pour nous, c'est-à-dire que si on essaie de se barrer de la bonne friche sauvage de Los Angeles dans Cops. Ouais, voilà. c'est ça. Donc, euh, dit, à mon avis, s'ils se barrent, ça serait plus. Ouais, bah, il essayer de se barrer, c'est plus par la sortie de service. Donc... Il doit y avoir des, des arbres qui parlent là-dedans. Hein, euh... <laughs> euh... <laughs> ouais, je suis certain que euh, les, les Stark euh, font leur réunion euh, dans, dans, dans un cercle dans ce truc. Possible. Euh, ouais, bon, dans ce cas-là, je vais prendre la, la y sortie y de service. Dans le, dans le, dans le genre, hein, Il n'y a pas d'enfant dans ce jardin, s'il te plaît. <laughs> bon, je vais prendre la sortie de service, on laisse Damasque ouais. à l'entrée. Ils, hein Ils sont tous à Renault. Hein Ils sont tous à Renault. Non, je demandais à j'ai je pas entendu ce qu'il a dit. Qui lui prend quelle entrée Donc j'ai dit, moi, je prends la, so la, la sortie de service, on laisse Damasque à l'entrée, et euh, Lynn va. Euh, Va, va rentrer pour essayer de contacter. Okay. Donc, Lynn tu rentres. Oui. Donc, à l'intérieur, en gros, c'est un hall d'hôtel. Il y a plusieurs Alors, bonnes. Oui. Je suis en acte radio. Ouais, hein. ah ouais, y a pas oui. de souci. Il y a plusieurs bonnes sœurs et majoritairement, en fait, euh, elles font l'accueil de, euh, de, de de jeunes femmes de et plus vieilles même euh, qui viennent de la rue, en fait, et euh, elles, elles logent dans l'hôtel, en fait, a priori. Euh, la plupart en fait, tu, tu dénotes complètement entre ton habit, euh, ton uniforme et on oui. va dire euh, ton aspect, euh, comment dire, non, non, en moi bonne non, santé. Non, ouais, non. en bonne santé surtout. Ouais, euh, ouais tu, tu... donc euh, tout le monde te regarde, hein. clairement tu passes pas inaperçu. Ouais, bah. Je. Je, ouais, bah, je, je pense, je vais essayer de. Mm -hmm. Je vais lâcher le nom, tu vois. Je vais te demander si les gens connaissent l'accueil. Voilà, ouais, ok. Le page euh... Ev Evanson. Bah, elle te demande une seconde. Elle sait pas de qui tu parles, mais elle va chercher la mère supérieure. Donc, tu as Nina Ferguson, que tout le monde appelle la mère, qui vient te voir et te demande qu'est-ce qu'elle peut pour toi. bah, euh... que j'aimerais discuter avec. Euh... Euh, Page Evanson, quand euh, le Lepid a de fortes présomptions sur le fait que euh, des gens voudraient la tuer. Ok, mais euh, c'est qui ben, C'est une euh, femme Elle semble avoir, euh, qui d'après nos informations est et, euh, euh, comment dire bénéficie de l'aide que vous fournissez à la communauté dans dans ce lieu. Mm -hmm. Ok. Voilà et euh, qui, euh, d'après nous, euh, était la compagne d'un malfrat Donc elle, elle, elle regarde sa consoeur sa consœur qui a l'accueil et le, la consœur fait donc de la tête. Donc elle dit bah, "Écoutez, on a personne de ce nom-là parmi nous." Elle est connue pour, euh, comment dire, avoir une euh, porte poitrine. Peut-être qu'elle ne s'est pas enregistrée sur ce nom-là. Regarde, euh, elle te dit. Euh, elle voit pas. Tu me fais un petit test de perception oui. psychologie oh. La difficulté Ça dit bullshit à ta 4. La difficulté à 4. <laughs> ouais, ça sent le bullshit quand même, mais. Perception de psychologie, tu m'as dit Ouais. 4 c'est 5 C'est chaud, hein Ouais, je peux mettre un point d'ancienneté. Je vais le faire. Hein. C'était point d'ancienneté, hein Ouais, ouais. Ça va peut-être servir plus tard, hein Ouais, ouais, mais. Euh, pour réussir tes tirs bah J'ai la ligne pour ça, puis j'ai le talent, surtout. Combien Bah, 4 du coup. Je... Donc c'est réussi Oui. Bah, avec le point d'ancienneté, oui. Donc, euh, clairement, t'as te... l'impression que. Tu sais pas si elle te ment ou pas, mais elle te dit pas tout clairement. Enfin, tu tu vois oui. que, que par leur regard. Euh... Il y a, y a un. Échange, euh, enfin, tu, tu vois qu'il y a un échange entre les deux pour se mettre d'accord sur ce qu'ils répondent, en fait. Hein. Il y a de la putain de communication non verbale, quoi. C'est ça. Ah ouais. Il n'y y en, en a aucune des deux euh, qui pourrait être la personne que je recherche. Bah, tu as, as la photo et non, ça ne te dit euh, aucune. Et autour de toi, d'ailleurs, dans le, dans le hall. Euh il euh, y a pas mal de monde quand même il enfin, y, y a je dirais 6-7 nonnes et une dizaine de pensionnaires qui sont juste dans le hall là et euh, aucune personne qui correspond ouais. écoutez je sais pas ce qui se passe entre vous deux mais euh, j'ai l'impression que vous moi, je suis du bon côté. Hein. Je, je, voilà. Cette personne, elle est, elle est une clé dans une affaire. Je veux lui parler et, et rien de plus. et Éventuellement, m'assurer qu'elle est en sécurité. Et si, et si elle se sent en sécurité ici, je lui donne ma carte. Elle pourra me rappeler si elle a un souci. Mais euh, dans les... Euh, voilà, je, je compte pas faire la révolution et, euh, et euh, quoi que ce soit. Donc, euh, j'ai juste besoin de lui parler. C'est une affaire très importante lui dit de patou. Et... et le patou, c'est un chien de berger. Et le chien de berger, il, il... protège. Et la protection, c'est mon job. Voilà, c'est tout. Et si moi j'échoue, euh, les gens qui viendront après, Parce que, croyez bien que si, si moi j'ai eu l'information qu'elle était venue ici, euh, les méchants l'auront aussi bientôt. Écoutez, euh, pour le coup, euh, ils, voient, ils, te, ils te disent non, mais on voit pas de qui vous parlez. Ils restent sur le, le même discours. Ça vous dérange si je fais un truc bah, dit, euh, soeur, euh, elle demande à une deux de ses sœurs de t'accompagner. Mais euh, comprenez bien que euh, vous ne pourrez pas aller partout. Parce que c'est privé. Ouais. Tu me fais un petit jet de perception euh, instant flic dans le hall. Hello ouais Ouais, ouais. Trois un... succès. Ok. Euh... Clairement, euh, toutes les bonnes sœurs ici présentes sont armées. T'es pas sûr des armes qu'elle porte, mais euh, tu as pu apercevoir euh, deux, trois armes et certaines sûrement planquées derrière le comptoir. Ok. <laughs> ah, hein je l'avais dit que c'était pas euh... des bonnes sœurs réglo réglo. Euh... Euh... Pendant ce temps, de l'autre côté de Los Angeles. Ouais. Euh, Est-ce qu'on rentrera en contact avec le chef de machin? Je pense pas que ce soit. Ouais, pour nous donner des informations quoi. Bah, euh... je suis pas là. Hein, mais On peut toujours essayer. Et après, euh, c'est pas sûr que ça, que ça passe, que ça passe, ça se passe bien. Et puis, euh, comme nous... comme nous ont dit nos collègues là du, du Comico, euh, ils il par... il ne parlent pas beaucoup quoi. Donc. Bah, en même temps, euh, je suppose que vous au COPS vous êtes habitué à travailler avec des des malfrats, des gangsters, des hors-la-loi. Comment ça, nous, au COPS <laughs> Non, non, parce que tu es COPS. Hein. Oui, oui, mais bon. Par expérience, on va dire. Hmm. Ça fait un an et demi hein, que Little Man travaille pour le COPS. Hein. C'est pas faux. Donc, il connaît un peu les procédures, quand même. Donc, j'allais dire. Il euh... euh... peut-être bon d'avoir des informations rapides. Hein. Moyen d'avoir des informations, c'est euh... d'aller demander Mike un avis. Bon. Franchement, euh, trop pas <laughs> bon. Bah, en, av en avant, hein. okay, tu laisses toutes tes armes, y compris ton couteau euh, caché dans ton ceinturon. Merci. Bref, on y va. Comment tu sais que j'ai un couteau dans mon ceinturon? Bon, mais euh, trop facile aussi. Tu sais pas, c'est que le couteau est plus grand que la ceinture. <laughs> bon bah je l'ai suivi apparemment. Donc vous allez où Bah on va aller dans le quartier. Euh, on a une adresse ou pas, ou au moins un lieu euh, où, oui. où on peut voir le chef. Oui bah oui, il habite à côté de la. Enfin, il a des bâtiments entre guillemets officiels à côté de la marina. <laughs> Officieusement officiel. Ah, officiel, hein, il a... il a une vraie société qui assure la sécurité du port. S'appelle comment Racket Incorporated Presque. Moi, bon, ça va être un truc genre Secure Boat. Secure boat. Bon. Avec quoi bah, par bon. Ce bâtiment. Il y a un interphone. Ding dong. Ah, ça vous ouvre. Vous êtes à l'accueil. Merde, j'ai oublié C'est Monsieur Sima, c'est ça Appel On Appelle se le souverain. machin. Appel non, non, pas machin. Parce que ça me faisait penser à Sigma, son nom, donc... Euh, ouais, et c'est mon moyen mnémotechnique. Mo euh, ouais, euh, bonjour, euh, offic officier euh, Denis Aquiliane, du COPS. Euh, Est-ce qu'on pourrait parler à monsieur... Vous êtes là pour quoi, exactement oh... C'est pas, pas, euh, ça ne concerne pas lui, mais on aurait quelques ah. questions à lui poser pour, euh, pour, euh, pour des renseignements, en en fait. Vous avez une, une affaire officielle, un mandat, quelque chose parce qu'il n'est pas là. Hein. Si seulement. Alors non, il n'y a pas de mandat parce que c'est pas lui qui est visé par euh, quoi que ce soit. C'est juste des renseignements. Euh... Bah, écoutez, je suis là pour ce mon boulot. Nous alors. sommes actuellement dans la semoule. <laughs> Ah non, vous êtes à notre entreprise et vous avez le pied sur du parquet. Bien, tenté. Le MJ nous manipule. Est pas, est oh, il n'est pas très doué pour ça, normalement. Euh, Dis-nous quelque chose qu'on ne sait pas. <laughs> C'est ça, euh, je, je murmure à l'oreille de Denise, de, de lui demander de parler d'un endroit où on pourrait stocker des, des bateaux, des épaves, enfin des ce genre de choses. Bah vas-y. En fait, là, le truc, c'est que vu que je suis tout seul à parler, c'est pas. Mais non, Clon, il joue, comment s'appelle, Little Man, qu'avec toi. ouais. Et c'est pour ça que je te murmurais lui dire. T'as le droit de prendre des initiatives aussi, avec Little Man, si t'as envie d'en prendre. En fait, on aurait voulu voir monsieur Sima pour avoir des informations concernant un endroit de de, 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 de dépôts de bateaux qui en attendent d'être démontés Et, ah, Monsieur Sima est le directeur de cette entreprise je ne veux pas le déranger pour des, des futilités allez euh, plutôt à la capitainerie euh, mais Ici si c'est notre... une entreprise de sécurité hein. mais Justement euh, assurant la sécurité du port je pense que Monsieur Sima euh, sera le plus à même à répondre que la mais capitainerie je... n'assure pas la sécurité oui, Mais C'est mon patron à la limite je vais vous passer à mon responsable de la sécurité Si vous voulez il Donc, euh, il y a, y a une personne qui rentre, oui, c'est pourquoi. Je regarde euh, Denis, mais bonjour. Euh... <laughs> nous, nous sommes actuellement. Euh... Enchanté, euh... monsieur Kafka, et vous <laughs> Sérieusement, il s'appelle monsieur Kafka. <laughs> non, mais si t'as si toujours pas compris où t'étais, je te le redonne. C'est hein. <laughs> oui, bien compris euh... bien possible, mais bon. Euh... Ça euh, clair. Euh, Little Man, officier du COPS avec euh, Siria et euh, je ne sais plus le nom de famille de Mike d'ailleurs, mais bon. Ah, bon. White. White, monsieur White. Euh, <laughs> nous, nous, nous menons une, une enquête de routine et nous avons besoin de quelques informations concernant la sécurité du port euh, 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 qui est effectuée par votre société. Okay. Et, euh, euh, bah, écoutez, euh, attendez, je vais chercher ça. Mais si nous pouvions avoir euh, ne serait-ce que quelques minutes avec Monsieur Sima, ça serait parfait pour nous. On ne va pas le déranger pour ça. De toute façon, les audits ont été faits. Euh, tenez, euh, voici euh, tous les rapports d'audit. Ah, mais nous, nous, nous ne faisons pas une enquête dans le cadre d'un audit. Hein. C'est sur une enquête euh, en cours. Alors, euh... je me permets de... Est-ce que tu veux un bateau et des rames Parce <laughs> <laughs> que là... Oui, pas faux. Maintenant... Euh... Non mais lâche les rames, hein, donne-lui que le bateau. Oh, on, on, on est bien d'accord, si, si, si M. Sima pouvait nous recevoir et nous aider, euh, cela nous aiderait grandement et il serait susceptible à... Non, 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 mais je, je comprends fait, pas pourquoi vous voulez voir euh... mon directeur pour des affaires de sécurité en fait. En quoi ça le concerne bah, Parce, c est, c est, parce que sa société assure la sécurité du port et Oui, tout, tout à fait, mais, mais c'est moi de... le responsable. donc. Euh... Vous êtes le responsable de la société mais Non, de la euh... sécurité j'ai une délégation. Et vous avez une dé... Mais donc vous êtes au courant de tout ce qui se passe en fait bah, C'est mon. Mais... de tout ce qui se passe, je suis responsable de la sécurité du port. Pour Et monsieur. Justement, Stuma. nous ce qu'il nous faudrait, c'est la personne qui est à la tête de cette société qui gère la sécurité du port. Si, si vous que si vous, vous, vous êtes capable de répondre à toutes nos questions, il n'y a aucun souci. Mais euh, de base, on nous a indiqué que M. Sima pouvait répondre à toutes nos questions. Et l'intérêt pour nous est d'aller vite et d'avoir des réponses euh, à nos questions. Donc, euh, pourquoi devoir passer par un intermédiaire Il y a, donc, y a, y a une qui la porte. En fait, tu, 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 re, bah, tu t as vu sa photo, donc c'est Sima. Euh, Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce bordel à côté là Moi, j'essaie de me concentrer sur un truc difficile, là. Ah. De 10. Bonjour Monsieur Sima. Euh... Détective Killian du Cops, euh, nous enquêtons, nous... nous enquêtons pas du tout sur votre société, vous inquiétez pas. Non non, ça non fait mais je, 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 je suis paumé. <laughs> sincèrement je suis paumé. Euh... En fait, euh, nous voudrions vous, voilà, vous... venez dans mon bureau, ce vous... sera plus simple. Voilà, je vous remercie beaucoup que vous êtes dans son bureau. Avez... Qu'est-ce que je peux pour le COPS exactement Nous aurions quelques questions à poser concernant euh, un endroit de transit euh, sur euh, concernant des, des navires. Nous recherchons Et très tôt. précisément. Euh, c'est deux navires, hein, si je me souviens bien. Mais tu connais pas les navires en question, c'est justement le problème Ben bah justement, mais euh, on, on, sait, on, on connaît leurs noms, on sait qui... Non, non Non, 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 on connaît pas les noms, non. mais on sait que c'est... Tu euh... connais les noms des gens qui font le trafic, et tu sais qu'il y en a un qui est mort et qui a été retrouvé mort. Dans, ce, dans, euh... dans la baie Dans la baie. Alors peut-être pas dans cette baie-là, mais je pense d'ailleurs même pas dans cette baie-là, Oui. mais euh, qui a été retrouvé mort. Tout ce que tu sais sur ce truc-là, tu connais le nom des deux personnes, il y en a une qui est à l'hôtel que les autres sont en train de chercher, oui. et l'autre personne, on sait juste que leur bateau potentiellement vient d'ici, ça c'est l'enquête canadienne qui donne, euh, enfin les, les services secrets canadiens qui donnent ça, majoritairement avec des géolocalisations en fait, hein, pour le coup. Et, euh, et en fait, tout ce que tu sais c'est que c'est relié à cet endroit, mais ce que tu as besoin de trouver c'est où sont les bateaux de ces personnes dans la baie pour pouvoir aller euh, dedans. Maintenant, tu es face au mec qui assure la sécurité et sûrement qui a reçu de l'argent pour pas dire les infos en fait. Donc, comment tu t'y prends Ta chance que tout ce que tu sais sur lui, c'est qu'il a un code d'honneur. Et qu'il a et qu'il a potentiellement un gang derrière lui et une société de sécurité. En fait, nous, euh, voilà, c'est Brian Hall en fait, on cherche le, à identifier euh, euh, le bateau de monsieur Brian Hall. Brian Oui, Alors, vous savez qui est le mais... les qui fait ça? Ben, on, on cherche justement et on pense que on peut avoir des informations euh, qui seraient sur son bateau. Le seul souci c'est qu'il faudrait aller sur son bateau. Et le problème c'est que ce Monsieur Brian n'a jamais eu de bateau ici. <laughs> Alors, on est d'accord. Euh, le problème c'est que quelqu'un... À essayer de déclencher une guerre en liquidant Brian Hall et pas Bien. de la bonne manière. Euh, Il y, choses... y, a, y a des choses qui se font pas, grosso modo. Je connaissais et... Brian Hall, mais je sais quoi cette histoire de guerre. Euh... Ah oui, euh, on ne l'a pas dit, Long, mais euh, l'histoire que l'Alaska devient indépendante, c'est encore secret. Hein. Oui, c'est très oui. défense. Dans la presse, c'est pas sorti. On... on... Il y a un rapport avec éventuellement aussi une certaine Miss Evanson, euh, et je pense qu'on essaye de déclencher une guerre de gang euh, au travers. Euh, regarde bizarrement. Benson. Ah bon Mais le problème, c'est qu'il faudrait nous en savoir plus pour essayer de démanteler ça avant que ça commence à prendre des proportions. Qu'est-ce euh, si que vous faites dans mon bureau exactement En fait, je comprends pas rapport avec moi. Alors je connais Brian parce qu'il a déjà travaillé ici une fois ou deux mais euh... mais pas plus quoi. Mais justement on s'est dit que connaissant Brian vous pouvez certainement nous aider à mettre la main sur les mecs qui l'enfroidissent. Vous présumez beaucoup pour une société de sécurité. Hein je n'ai pas, pas des pouvoirs d'investigation. Hein. Non mais vous avez des contacts. Euh, La de nous... de sécurité de Kazafa euh, s'en rend pas. Hein, J'allais dire, ouais. laiss laissez-nous l'investigation. Euh, on demande juste un coup de pouce pour trouver un bateau, sachant que ça impliquerait forcément un retour d'ascenseur. Je comprends pas, expliquez. Tennis cause, cause samouraï <laughs> monsieur, parce que apparemment. Il... Mais non, parce que tu dis pas dans quel sens le retour d'ascenseur. donc T'as l'air d'en demander beaucoup en fait. Oui, je sais que j'ai l'air demander. Mais justement, le problème, c'est qu'on n'a pas l'information. Donc. Euh... Grosso modo, si tu nous aides à trouver ce bip de bateau pour qu'on puisse savoir qui a dessoudé Brian Hall, nous, on s'engage, en tant que cops, à faire un retour d'ascenseur. Et un engagement un, des cops, c'est pas n'importe quoi. Ouais mais enfin quelqu'un a un code d'honneur ils ont les deux foutre avec ça. Bah c'est un peu mieux. Non parce que ça veut dire que nous aussi on a un code d'honneur derrière. Oui mais. Bah non ça veut dire que tu respectes pas la loi qui est un peu le tien de code d'honneur quoi donc. Mais non oh là là putain... Bah pas qu'on respecte pas la loi c'est qu'on veut y terminer. mgl 5 r Ça se voit un peu trop monsieur Obi. Mais non, oui. euh, si, tu, si tu veux être un code de l'honneur avec lui, tu lui dis que tu vas le débarrasser d'un mec qui est en train de tuer tous les intermédiaires, et que lui aussi, il en est un, hein, euh, et donc lui, il est potentiellement, il en mange mmh. mais est danger aussi. c'est pas du code de l'honneur, c'est faire flipper, euh, c'est pas la même chose. Bah, bah, euh, bah si si. As, si tu dis à un samouraï... Euh, mais... ah, ah, ça a coupé. Monsieur ça Tlon a coupé. <laughs> le samouraï, il est pas content. <laughs> <laughs> c'est ça, ça a coupé. <laughs> On a ouais, là, ton... Ton... Ah, oh. monsieur Clon Oui ça a coupé à un samouraï. J'avais dit, euh, si, si tu demandes à un samouraï, de, on va vous protéger. Parce que veut vous. Non, non, tu, tu lui dis pas que tu vas le protéger. Tu, tu, tu lui dis que c'est un fait. Tu lui dis que euh, que, que l'organisation qui fait ça est en train de liquider tous les tous les gars euh, qui sont tous les intermédiaires pour pas que ça remonte à lui euh, et que. Potentiellement, lui en, en est ou on est peut-être pas, mais un intermédiaire euh, aux, yeux de, du, du coup, aux yeux du aux yeux du gang criminel. Mais que toi, tu t'engages à, 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 à le trouver et à l'arrêter. Voilà, tu t'engages pas à le protéger lui. Bah, tu t'engages à le dis. Retrouver Je lui ai dit que je tu... veux mettre la main sur le mec qui a buté Brian Hall. Oui, mais ce que tu lui as donné en échange, c'est euh, auras un retour d'ascenseur de moi. Il te connaît pas, il sait pas ce que tu vaux, il a aucune raison de te, de te faire confiance. Pourquoi Okay, mais de toute façon, il ne connaît personne d'entre nous. Donc euh... Oui. Justement, en fait. Euh... En fait, le truc, c'est qu'est-ce que tu peux lui donner en échange pour qu'il te file une info C'est euh, ça, en fait. fait. Et euh, le, seul chose, le seul biais que tu lui connais, c'est son code de l'honneur que tu ne sais même pas. C'est quoi, comme. Euh... Qu'est-ce qu'il a en termes de, de, de code de l'honneur hein. Code de l'honneur, justement. Ouais, tu, tu, tu peux demander, euh, du en mariage, demandé que ce soit le maître de cérémonie. C'est très bizarre. <laughs> ouais, je pense pas que ça va marcher. <laughs> bah, si, euh, déguisé en pirate, euh, voilà, la totale, quoi. <laughs> N'importe quoi. Un mariage pas je vois pas en quoi ah bah ça oui. va gérer sur les côtes de l'honneur. Mais bon. Ça dit, euh, ça dit, Spike, si vous pouviez aussi appuyer euh, Little Man, ça serait cool. Je euh, suis complètement paumé, je Là, je sais <laughs> pas comment. Euh... <laughs> Atteindre le renseignement, euh, euh, là, j'ai pas. Euh, je sais pas. Je sais pas, tu le défies en duel, le premier qui met une mandale à l'autre gagne, et puis voilà, quoi, c'est bon. <laughs> Mike Pas une bonne idée. Ouais, moi je veux bien le taper, hein, mais je suis pas sûr que ça aide. Après, tu veux dire que dans les rapports, euh, euh, le nom de sa société n'apparaîtra pas, peut-être. Non, t -t tout ce qu'on tout ce qu'on sait pour l'instant c'est que Brian a été visé par euh... par contre ce que je comprends pas c'est vous avez pas de mandat donc bah, euh, non pourquoi on aurait besoin d'un mandat vous n'êtes pas du tout enfin pour l'instant rien ne dit que euh, le type qui s'est occupé de Brian va pas essayer de vous atteindre vous aussi okay. d'un côté euh, il... il a quand même une boîte de sécurité pour l'atteindre le monsieur mais bref on va pas se mentir. Euh, Brian Hall euh, était un petit malfrat. Et c'est pas ce qui va mobiliser les équipes de police pour essayer de résoudre son meurtre vite fait bien fait. Il te répond, je, je, je me doute bien que vous avez autre chose à foutre et que vous êtes là pour autre chose. Bah, L'autre chose, c'est que on veut éviter que ça dégénère et que ça prenne un tournant beaucoup plus important. Et si en plus on peut foutre la main sur celui qui a dessoudé euh, Monsieur Hall... Ben, c'est du win-win pour Je comprends pas pourquoi de qui vous je veux dire Brian Hall. Moi, de ce que je le connais, c'est un petit gars qui, sert fait des petits business de son côté, etc. Mais euh, je vois pas en quoi ça dégénérerait en quoi que ce soit. Bah, en fait, il a d'apparemment il aurait traficoté avec des gens qu'il faudrait pas et euh, ça s'est retourné contre lui. Et Les gens euh, qui faudrait pas ont l'intention de faire du gros nettoyage. <laughs> ça, yeah. ça j'avais compris que quelqu'un lui la, 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 ouais, la... Je, je pense que ah. j'ai la clé. Bah fais pra, pra, participe à tes, tes collègues hein pour se... Ce... Euh, <laughs> vous hein, vous pouvez lui dire qu'il a servi à un trafic pour faire venir une bombe de... très très dangereuse. Et que cette bombe-là, vous devez remonter la filière pour savoir d'où elle vient parce que potentiellement elle peut provoquer des grosses attaques terroristes, etc., d'attaques de civils. Et donc, euh, s'il a un code de l'honneur, on n'attaque pas les, les, les femmes et les enfants, entre guillemets, tu vois. Euh, jouer sur cette carte-là, quoi. Ouais, seul truc c'est que il est forcément au courant de l'attaque sur le quai, l'attaque sur le quai ça. C'est pas, pas le même quartier, hein, on n'est pas du tout dans le même quartier hein. Oui oui c'est bien ça, mais euh, c'est le genre de truc qui a fait le tour des infos quand même. C'est pas le oui, oui. Là, machin, euh... oui, mais bon, après il faut euh, faut, que, faut avoir ses entrées dans le milieu russe. Dis donc, Chrome, est-ce qu'on peut savoir ce que tu manges ah, je ne mange pas pour le coup. Bah c'est inquiétant. D'accord. <laughs> très bizarre. Okay. On en prend bonne note. Mais vous trouvez pas vous avez l'impression qu'il bouffait un truc quand il parlait non, non. Ah, ça m'a fait ça l'impression, peut-être que mon micro il est pourri, mais je sais pas. Enfin, moi, il y a les écouteurs. Ouais, c'est ça que j'entends. <laughs> ouais, il articule pas beaucoup, c'est tout. Hop, il y a une mouche là qui traîne, il faut que je la fume. Bon, on... comme on dit par chez nous au Canada, on va, pas... on va pas y aller par quatre chemins pour tourner autour du pot. Je suis pas d'accord. Quand tu dis euh... au Canada, c'est pas ce qu'on dit après. Oh, Au can... Canada! <laughs> oh putain! <laughs> Ton histoire est une épopée. Voilà! Il faut que je Alors. fasse un même avec écrit J'ai pas la ref. <laughs> C'est l'hymne du Canada. Hein C'est l'hymne du, ouais. du Canada, oui. Traduit en fait. Mais bon. Bah non, euh, dans la langue originale, parce qu'il a d'abord oui. été écrit en français. C'est pas faux. Bon. Donc, disais-je, euh, on va jouer carte sur table. Euh, vous êtes au courant de ce qui s'est passé il y a quelques jours euh, sur les quais à Los Angeles, euh, l'explosion à euh, la bombe sale euh... euh, J'ai entendu ah ouais. ça aux infos, mais euh, quel rapport là euh... La bombe qui a été utilisée a été fournie par Brian Hall. Ça m'étonnerait, Et... il n'est pas aussi doué que ça. Hein. Bah justement, la preuve, <laughs> vu qu'il est mort, en effet, il n'était pas si doué que ça, mais par contre, il a réussi à la faire passer. Oh ouais, coup, je ne vous permets pas de lui, de lui cracher à la gueule non plus. Hein. Euh, c'est pas que je lui crache à la gueule, j'énonce juste des faits. Et je vous dis, pour l'instant, je joue 4 sur table. Le problème, c'est que Brian a fait passer la bombe par votre port. Et qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a forcément une deuxième. Et qu'on ne voudrait pas que la deuxième, elle pète ailleurs. <laughs> Écoutez, euh, je vois pas de quoi vous parlez. Maintenant, je sais que Brian Hall traînait souvent dans le port, euh, particulièrement autour de. Il te donne deux quais et te dit :« Mais euh, ça m'étonnerait qu'il ait des bateaux ici. Euh, sinon, on sera au courant. » Et oui. puis, si c'était le cas, vous nous préviendrez. Oui, bien évidemment. Ah, oui Mais euh, ça coûte rien de jeter un coup d'œil. Mm -hmm. On est bien d'accord. Il demande à d'autres de ses de gars de vous accompagner dans le port. On okay, que vous allez bien là-bas. <laughs> mais euh, pas de soucis. Et donc, euh, merci de votre coopération, citoyen C'était laborieux, hein voilà. Ouais, c'était très non, laborieux. Mais... laborieux. Mais moi, Clairement. Moi, je suis complètement paumé, là. Je arrive pas, en fait. C'est pas grave. Voilà, ouais, tu t as bien qu'on fasse pas un point Non, je suis pas concentré, c'est tout. T'as de la chance que Damas qui est pas avec toi, sinon il t'aurait collé un rapport pour euh, usage de substances illicites en pleine. Euh, en ple... Pendant ce temps dur, quoi. De l'autre côté de Los Angeles. Alors, tu discutes toujours avec Ténon Bah ouais. Alors moi, j'irais je, 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 bien voir à la... à l'établissement. La, Ouais, il euh, y en a un qui est avec toi qui t'amène à la manche aussi et te regarde. Ouais, bah, bah, je cherche des soutiens gorge, avec de très gros bonnets en fait, hein, pour voir si <laughs> la personne que je veux chercher là. Bon, <laughs> est il y a, en fait, il y a d'autres <laughs> idées. Il y a de tout, ça te fait les pieds réellement. Hein. Bah, si elles s'appellent Big Booze, elles doivent en avoir euh, des particulièrement gros, donc euh, des trucs qui euh, sont un peu de, de l'ordinaire. Ouais. Et ben bah, écoute, tu... en tout cas, tu trouves pas ton bonheur. Ça comme ça, tant pis. Euh, bah, du coup, je vais faire un tour vérifier. Euh, J'essaie de faire des plans en fait dans ma tête du lieu. Euh, Alors, tu vois, que... Que, un, le lieu est assez labyrinthique parce qu'il y a des endroits qui sont condamnés. Deux, euh, elle te laisse pas accéder aux étages. Te, tu restes en fait au rez-de-chaussée, d'accord. Parce que dans les étages, en fait, elle t'explique qu'il y a des gens qui sont en convalescence et qu'il faut pas les déranger parce qu'ils sont en convalescence et ils, se, ils sont occupés soit à prier, soit à se rapprocher du seigneur, soit ils ont besoin de se reposer. Ouais. Et voilà, en gros, euh, donc non. Et du coup, est-ce qu'il y a moyen de, se, de piquer un déguisement de, de piquer une tenue bah, Le problème, c'est que tu es sous surveillance. Ouais. Donc il me faut me faire un bon jet de discrétion pour piquer une tenue. Bah, on va essayer. Hein. Euh... Je hein. bah, Vas-y, hein. je dirais trois difficultés. En, en quoi que euh, bah Ça va être réflexe, euh, comment ça s'appelle euh, Discrétion. Ah, je vais mettre un point 3 difficultés Ouais. Oh, J'ai fait 4. Joli. Et bah, tu as piqué un costume de nonne. Voilà. Et, euh, et du coup, bah l'idée c'est de, 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 de. Je, 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 je traîne un peu, tu vois, je, je fais un parcours. J'ai je... ma caméra Bah, t'as équipé normalement, donc oui, t'as ta ouais. caméra. Donc, du coup, j'essaie de filmer un peu tout le monde. Mmh. Euh, J'essaie d'identifier les armes à feu en... que je croise. Bah, le donc truc, c'est qu'elles sont souvent cachées sous les soutanes. Donc, euh... clairement, ah. euh... bah, si je percute quelqu'un et que je mets les mains à l'endroit où oh l'arme et... <laughs> si faisais... dis... alors s'il te plaît, ça va être encore. Ça va <laughs> euh, carrure discrétion. C'est la première fois que je vais le faire, celui-là, carrure discrétion. <laughs> improbable. La difficulté, 0... pareil, est à 3. Bah écoute, euh, c'est simple, c'est toi qui tombes dans l'autre sens, et elle euh, non, 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 est assez choqué en fait, et euh, on te reconduit à l'entrée en fait. Parce qu'il trouve que bah, t'as un comportement euh, pas acceptable pour le lieu. Non, désolé, pas... je vous avais pas vu. Euh... Ah, je vous laisse. tu es dehors. Ouais. Ouais, ouais. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je parle à Juan seulement. Je, je laisse Damasque de l'autre côté euh, du, du okay. dispositif. Euh, je suis allé rejoindre Juan. Euh, et du coup, je lui dis j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc, la bonne, c'est que j'ai réussi à piquer un costume. Euh, la mauvaise, c'est qu'à priori, euh, un, euh, les nonnes elles sont armées jusqu'aux dents. Ok. Voilà, et euh, j'ai pas su quoi exactement comme arme, mais il y en a quand même, a priori, pas mal. Et qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont fermés au public. Hein. J'ai pas eu accès à beaucoup de choses. Et je n'ai pas trouvé, évidemment, euh, euh, la personne qu'on recherche. Je... Et donc, c'est un chou blanc. Eh ben... Euh, L'idée, ça serait, serait peut-être d'attendre, d'enfiler de, de, la tenue et de passer plus discrètement pour essayer de... Quelle tenue euh, bah, La tenue que j'ai subtilisée. Ah bah ouais, mais il euh, n'y a que toi qui peux la prendre, parce que je vois mal ni moi ni Damasque en tenue, tu vois, ça... Non, non, mais ça, je suis d'accord, mais c'est moi qui vais le faire, mais je vais attendre une heure ou deux, histoire que... Qu'il que... Qu m'oublie. <laughs> Qu'il m'oublie un peu, quoi <laughs> Après il faut aussi du maquillage parce qu'il faut que je, je ressemble un peu plus, que je sois un peu plus cadavérique. D'accord. Et euh, tu, tu veux, veux qu'on fasse une, une diversion à l'entrée pour qu'il puisse passer euh... Euh, Pas forcément, pas forcément, mais... Euh... Mais... Euh... Voilà. Enfin on peut toujours demander à Little Man de venir. Hein. Et, on... et c'est elle qui fait le goût, ça, ça, ça pourrait être un peu plus... Euh... Ouais, s'ils sont occupés, ils sont quand même pas à porte à côté, donc... Euh... C'est loin le port, euh, où ils sont ouais, y a... Le problème, c'est la... plutôt la circulation, c'est-à-dire qu'ils vont mettre une bonne heure à, à venir, quoi. Ah. Euh... Ouais. Sinon, oh. sinon, euh, la, la, la et, porte et... De derrière, enfin la porte l'entrée de service, elle est fermée à clé, je suppose. Euh, c'est une porte coupe-feu, donc euh, c'est pas... c'est surtout que elle est fermée de votre côté. Ouais, c'est ça. Euh... <laughs> Mais il n'y a pas des nonnes qui viennent cloper oui. Oh, du coup, euh... ah, j'ai pas dit qu'il qu n'y a pas de mouvement, je dis juste que de, de base elle est fermée. Mais il y a des gens qui rentrent et qui sortent, oui. De, de base, au pire, si, si t'as euh, des nonnes qui repartent, euh, tu. De la tu, même façon qu'il y a sûrement. Spray, aussi, et puis tu, tu, tu tu gardes la porte ouverte. Euh, tu t'as ouais. pu voir euh, depuis le rez-de-chaussée qu'il y a des nonnes qui vont dans le jardin aussi. Hein. Donc, euh, clairement, euh, pas. il y a, y a des possibilités d'aller de, dans le jardin depuis les, depuis les. de passer dans le jardin <laughs> Ce aussi. qui est encore plus simple. Ouais. Bah, du coup, bah, je mettrais bien ça en place, mais le truc c'est que si je dis ça à Damask, euh, il, des... il va faire des frisettes le bord. Hein. Mais euh... pourquoi tu veux lui dire Pour l'instant, il est ça, <laughs> et On lui dit qu on est... que t'es toujours à l'intérieur et qu'on attend quoi. Alors, c'est le moment que Damask choisit pour les contacter et savoir ce qui... où ils en sont hein, quand même. Euh, oui, oui. Bah, vas-y. Euh, ici, Damask, vous en êtes où là On attend toujours la sortie de l'île, elle est toujours en train de de tâter le terrain et d'essayer de trouver... De trouver euh, mais, euh, je suis occupé Mais je ne l'ai pas vu sortir, là, puisque je surveillais l'entrée la... bah oui, principale. Est à l intérieur. Non, mais il surveillait l'entrée principale. Et je surveillais l'entrée principale, je l'ai <laughs> vu sortir quand même. Eh ben, mais... moi j'aurais tendance à dire que... Euh, oui. J'aurais fait un jeu de discrétion pour, pour me... Pour filer ouais, bah, mais que... il, Non, il t'a gaulé. ne <laughs> cherche pas. Il t'a gaulé quand même. Bah ouais, mais là, là t'as pas demandé, encore, as pas demandé en à en sortir arrière. par la sortie de service quoi. C'est pas grave. Euh, bah du coup euh, s'il m'a vu sortir, euh, je lui dis euh, en effet, mais c'était pour avoir euh, mieux accès au jardin. Ah le mytho tout pourri. Mm -hmm. Et du coup euh, je suis re rentré par la porte de derrière. Mm -hmm. <laughs> ouais. Il n'est pas faux. Bah si, pour le coup. L'espoir Vis-à-vis du plan, mon Ouais ouais oui. Mais euh, mmh. comment ça euh, Vous avez pas ça dans vos manuels euh, Mieux partir pour surprendre un flag en meilleur euh, par surprise, non ça... On va faire la réponse de Damasque. Vas-y. Euh, votre manuel, c'est quoi C'est la guerre selon qui exactement hein, ouais, que... <rire> <rire> Sun Tzu pour... <laughs> Ouais, c'est ce que je me disais. C'est pas le manuel du COPS. Euh... <laughs> bah, du coup, Castanbans, euh, on tente le coup ou... eh bon, Moi, je le tenterai, oui, euh, clairement. Ou pas Moi, ouais, si, si, bon, oui, je vote si, pour si, Bon, bah, du tu, coup. Tu, euh... tu passes par le jardin, t'enfiles le, le costume et tu fais genre euh, j'ai été clopé et je repars et voilà quoi, je oui. me balade. On peut faire ça. Faisons ça. Mais pareil, hein, j'ai une arme sous ma Laquelle <laughs> <Sur ma rire> <t 'opinion. rire> Est-ce que, tu... <laughs> Est que tu veux que je te bénisse avant que tu ailles On sait jamais. Eh, euh... ben, je vais prendre mon, mon rugger parce que je vais pas prendre mon arme du cops. Euh... C'est moins frag en fait. En un compact uni ça fait quand même. Euh... Bonjour, je suis de cops. Voilà, ou tueur de cops. Et euh, ce qui est pas top non plus. Donc, euh, voilà, le ruger, euh, arme de mafieux, ça passe mieux. Enfin, euh, <rire> euh... <rire> ouais <laughs> tu, tu dis ça aussi devant Damasque <laughs> Bah, il n'est pas là, Damasque. Ouais, donc, ouais. euh, l'idée c'est que je me change j'essaie de me déguiser pour, pour paraître un peu plus en mauvaise santé que. Ok, bah que... ouais, tu fais un jet de. Euh... Pff, on va dire quoi euh... Bah, déguisement, probablement. Charme mais, déguisement. Euh... <laughs> charme déguisement. J'ai ouais, ouais. 4 maintenant en charme, donc. Euh... Ouais, mais fais-le quand même. Euh, déguisement 5. 3 succès. Ok. C'est honnête, je pense. Déguisé. honnête. Voilà, et, euh, et du coup, euh, bah, pouf pouf, euh, je m'incruste dans les jardins pour. Euh... Je... Alors, avant que tu t'incrustes, je Rohan... tente Oui. Tu me fais un jet de sang fois. Pur. Pur. Je ressens à la dame blanche. La difficulté est de deux. Et ben j'ai fait deux, justement. Ok, donc tu ne te signes pas en voyant l'île. C'est pour la plaque. Donc jardin. un nom, appelle-toi sœur Sourire, ça sera cool. C'est une prof de maths qu'on se remet comme ça, mais. Euh... J'ai pas la ref par contre sourire. Dominique, Nick Nick. D'accord. Content de pas avoir la ref. Ah <laughs> <oui, non. rire> C'était une sœur belge qui, euh, qui a quitté les ordres parce qu'elle a lancé un truc en détenseur euh, avec des tubes qui marchaient très bien. Et grosso modo, elle s'est fait euh, avoir par euh, des Comment dire Des producteurs qui l'ont. Euh, plus ou moins euh, saignée à blanc et euh, elle est morte dans la dèche et euh, si je me souviens bien euh, elle est morte en suicidant aussi ça c'est trop triste elle catholique en plus euh, ouais mais elle euh, plus... avait des ordres tout mais il y, y a eu tout un documentaire qui est sorti derrière parce que c'est euh... c'est 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 vraiment tragique comme truc euh... mais bon, elle, c est, c est... elle avait un bon fond mais elle s'est fait vraiment avoir de, de, de... c'est une histoire belge quoi pas trop, parce qu'elle a surtout cartonné en France, d'ailleurs. Donc, euh... Donc ouais. revenons. Merci pour ce moment. C'était la minute tragique euh, de ton tonton. Merci, ton tonton. <laughs> de rien, les enfants. <laughs> Demain, je vous parlerai de, du, euh, du de coup, la disparition euh, de l'intro dans le jardin. <laughs> ok, bah, c'est pas dur. Hein. Tu pousses une grille, t'es à l'intérieur. C'est des herbes hautes. Tu me fais un jet de... Coordination, discrétion. Euh... Et je te donne pas de difficulté en fait pour le coup. Discrétion 4 à 2. Ok, c'est foiré. <laughs> Et de là, beaucoup. Je... Bah. Ah, là, je te donne pas de difficulté, j'ai fait exprès. Hein. c'est bah, si dit... si, sûr. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que dans le jardin. Euh, alors tu te fais pas gauler par les nonnes Non, tu te fais gauler par la, la population du jardin qui est composée de singes sauvages. De quoi de chiens, de chiens sauvages. Singes, singes. Singes. Singe. 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 Oh mais ça fait du boucan ça. Oui, ça fait beaucoup de boucan. Et surtout, euh, ils sont pas extrêmement sympathiques dans le sens où ils viennent vers toi pour t'attraper en fait. T'as pas des cacahuètes sur toi Je peux faire un jeu d'intimidation tu peux <laughs> sur les sages ah, ça bah ça serait rigolo oui. ça euh Karu en intimidation ah 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 c'est dommage on a pas son, de... son euh... denis euh, sous la main vas-y vos gueules les simiesques 5 <laughs> succès ah ouais carrément ouais ah eh bah non bah, non seulement ils se taisent, hein. mais en plus ils font une aide-honneur sur ton passage. <laughs> en dégainant les épées, tu sais, les croisant, c'est beau. Euh, à mon avis, change sœur sourire en sœur intimidation, ça marche. <laughs> tu arrives au bâtiment. Les singes t'ont laissé tranquille. Ça me va. Bon, bah, du coup, euh, je rentre. Hein. Ouais. Je, je, en fait je vais essayer de suivre quelqu'un qui, qui est dans le jardin aussi et qui va faire son mmh. labeur quoi, et je vais le suivre après je vais essayer de passer du temps en fait, hein. je, vais pas, je vais pas forcément fouiller euh, dans la minute je vais essayer de, de tenir garde ma, ma de quoi. Deux. clairement tu peux pas tu, ouais, tu, tu essaies de garder ta couverture mais tu remarques un truc c'est qu'elles se connaissent tous en fait et donc comme ton visage est à moitié couvert par le, la tenue en fait bah, en ouais. dos, tu, tu essaies de tourner un maximum le dos euh, et essaie de, de faire en sorte qu'on t'interpelle pas. Oui. Bon bah dans ce cas je vais essayer de me dépêcher pour, pour fouiller euh, les zones euh, peut-être fouiller une zone où j'ai pas eu accès tu vois au début. Bah, majoritairement c'est les étages. Le truc c'est que tu peux monter ou descendre. Euh, bah tu sais où est la blanchisserie. Euh... Euh, va choper trois draps et puis balade-toi avec les draps. Si on te demande quelque chose tu dis bah je dois donner ça. Euh, c'est tout quoi. Oui euh, je peux faire un truc comme ça mais euh, non bah l'idée euh, je monter ou descendre je vais descendre ok il y aura moins de monde en bas probablement euh, bah c'est simple tu descends euh, c'est euh, si, en fait si c'est l'église satanique il y aura des chèvres euh, donc euh, comment dire en gros en bas c'est majoritairement les parties techniques hein, euh, selon d'accord oui armurerie <laughs> euh, C'est simple, tu descends en bas, il y a un grand couloir et euh, bah, il n'y a pas de panneau. Mais en fait, il y a quelques personnes qui s'agitent. Euh, et clairement, tu y as au moins 3 niveaux. C'est-à-dire ça descend sur trois niveaux. Hein. Alors tu sais qu'il y en a au moins 5 en hauteur hein, aussi. Euh, ça, bah, ça fait beaucoup quand même. Ouais, ouais, ouais bah oui, oui, ça fait beaucoup. C'est pas le petit donge, hein. Euh, mais ça va, il y, y, y a un peu de monde, mais euh, c'est suffisant pour que tu passes en passant inaperçu en fait. Si on ouais. pas. Donc euh, tu fais ton petit tour pour l'instant. Tu me fais un jet de perception, un tas de une... Je vais descendre quand même. Merde. Deux. Oh putain, c'est nul. Deux, t'as dit Ouais, j'ai encore en bonne ancienneté. Hein, mais... Ouais, non, c'est réussi euh, pour, pour ça. Euh, majoritairement, bon, il y a, je passe les, les parties, on va dire, vraiment euh, technique. technique. Euh, tu remarques qu'il y a une porte qui doit donner, je, de ce que tu vois, parce que tu as des plans d'évacuation, sur euh, une série de pièces qui n'était pas accessible dans le sens où il y a carrément une nonne devant la porte, assise sur une chaise, qui a l'air de garder la porte. Donc c'est un peu emmerdant parce que tu ne peux pas passer comme ça, sans lui ouais. sans, du moins sans lui parler, quoi, parce que. Euh. T'entends aussi euh, bah, des lamentations euh, et des, des, des cris de, un peu de douleur qui émanent de cette porte quand tu t'en es rapproché euh, juste pour passer. D'accord. Enfin, C'était pas... Euh, C'est pas ce que tu attendais de passer par là, quoi. C'est peut-être une retraite Alors, ça peut, ça peut être euh, des châtiments corporels euh, auto-infligés, hein, euh. Mais bon... Euh... Il y, y a moyen que j'attende un petit peu pour voir si quelqu'un sort de l'endroit ou pas, ou euh, bah, me mettre un fait, peu plus loin dans le ouais, couloir. Ouais, tu regardes couloir... en fait. Euh, majoritairement, euh, c'est euh, un moment en fait, t'as as une nonne qui passe et qui rentre en fait. Euh, L'autre lui ouvre, la, elle sort une clé, elle lui ouvre la porte et elle rentre et elle referme derrière. Et euh, au bout d'un certain temps, si tu restes à attendre au bout d'une bonne heure, la nana ressort, elle frappe à la porte. Euh, elle marche plus lentement ouais, ouais. Non, elle marche normalement, elle a l'air dans le même état euh, et elle remonte ah. C'est quand même chelou cette histoire Ok, bah je vais euh, Je vais essayer de continuer C'est-à-dire, ouais. Tu continueras le sous-sol ouais, 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 je continue à descendre Ok, bah, Je vais passer à l'autre équipe en attendant ouais. oh, bonjour. Yes oh, ouais. Que faites vous ben, je... euh, on, bah, se... On, on se paume. On, se... on suit euh, les deux types que nous donnés sur... ouais, ici. Vous êtes arrivé euh, devant un quai où il y a un... Ok. Et on voit quoi Un bateau. mais à on voit l'intérieur ou pas On voit des là. gens Non, il est vide le bateau. Enfin, faut vous, re vous rentrez dans le bateau. quoi. Oui, c'est ça, on va monter sur le bateau. Ouais. Votre quête démarre sur un quai. Voilà. <laughs> Alors... Ils n'ont pas l'inverse. Et joli jolie, est contre contre Alors, ils vous ont fait patienter, en fait, un petit moment. Clairement. Et, euh, clairement, en fait, ils ont déplacé le bateau pour vous l'amener sur le quai, en fait. C'est gentil. Mmh. Ces gens sont très... À très... croire qu'ils veulent pas savoir où il était, le bateau. Vous montrez où il est. Ouais. On peut monter Oui. Et bah, 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 bah en fait... on fait. Et on va, on et va, on va commencer à fouiller. On va regarder. majoritairement en fait. Euh... Euh... Il y a des trucs de bateau. Ouais, en fait, vous trouvez pas de traces particulières. Euh... Enfin, ça... clairement, le bateau vous sert à rien. Je vais pas, Je vais pas être méchant, mais euh... le bateau ça sert à rien. Puis euh, lui, là, vous voyez votre le mec qui arrive sur le quai et qui vous fait, vous avez trouvé quelque chose alors euh... Pas du tout. Ouais. Mais euh, bon. Ça, c'est le bateau de Brian. Il n'y a pas l'autre bateau, c'est le Devenson éventuellement. Franchement, je pense qu'on perd notre temps avec eux. Dans tous les cas, il vous dit euh, vous n'êtes pas le premier, en même temps, à me poser la même question. Hein. Ah bon Qui d'autre Comment, Comment Il y a un gars euh, qui... Euh... Qui arrête pas de. de qui a promis une forte somme pour qui retrouverait euh, les salauds qui ont fait ça. Mais bon. Euh, ne, ne demandez pas. Euh, n'allez surtout pas au bar Chloé. Alors, et euh, il vous donne euh, une description du gars et cherchez surtout pas ce gars-là. Pourquoi faut pas okay. le chercher Non, non, non oui, oui, on dira surtout pas là, bien entendu. Merci de ce conseil. Euh... Oui, c'est pour notre sécurité, on comprend tout à fait. Bon il est ah. gentil le MGR. Bah, c'est surtout que euh, il vous dit euh, vous, êtes le, vous êtes la deuxième personne euh, aujourd'hui à me parler de guerre euh, de guerre intestine euh, de gang. Euh. Ce mec là aussi m'a emmerdé avec ça. Et il m'a donné cette carte. Il vous la balance. Mais c'est pas qu'il est gentil le MGR, c'est que c'est ce qu les infos qu'il vous donne en fait. C'est juste qu'il a pris son temps pour se renseigner un peu. Mm -hmm. Bon bah on y va du coup. Merci beaucoup en tout cas. Sur la carte il a écrit William Whale Will. <laughs> Ça serait bon, ouais. Et euh, le... Non, sur la carte, il y a marqué Al. Parce qu'en gros, euh, c'est écrit à la main. Et euh, donc, il faut demander Al. Pendant ce temps, parce qu'il n'y a pas grand-chose à... Alors, je vais, je vais Ils vont finir passer au travers. Je vais finir euh, sur l'autre euh, truc. Yes. Et ça sera fin pour ce soir. Donc, euh, bah, retour à la, la, rapidement, euh, comment s'appelle, euh, au casino euh, hôtel euh, bizarre. Donc, euh, ouais, clairement, euh, tu restes un petit moment, tu préviens tes collègues peut-être au même temps pour dire ce que tu fais. Oui, oui, oui. Bah, je, à chaque fois que je peux, je contacte de ce que je ça vois. Ça passe très mal dans la cave. Ok. Mais vraiment hey. mal. En gros, tu es obligé hey. de te mettre dans la cage d'escalier à chaque fois. Et je parle en latin. Ah, ça va être cool. Ouais. Mais il y a Damas qui comprend le latin. L'idée c'est que j'aimerais faire encore un sous-sol et, et remonter peut-être à, à un niveau en étage, quoi, voir un peu ce qu'il y a. En gros, je te le fais rapidement hein, pour le coup. Euh, L'autre, mm. tu fais un sous-sol, euh, c'est carrément désaffecté. Okay. À Emmitt, euh, il y a peut-être euh, une partie de la chaufferie qui est, qui est dans un sale état et qui marche euh, difficilement. Et après, dans, euh, comment on sur les étages, bah, en fait. Euh, tu montes déjà peut les escaliers, voir un petit peu comme ça, tu remarques en fait que les étages du haut sont tous euh, délabrés et pas entretenus, il enfin, n'y a personne qui vient. Mmh. Et par contre, les étages les plus proches, on va dire, euh, du truc, euh, bah en fait, ça sert a priori euh, entre guillemets d'hospice, mais euh, tu remarques, tu, tu fais un petit tour rapide, tu remarques qu'il euh, y a certaines personnes ici qui, qui aimeraient bien peut-être ne plus être là parce qu'il y a des chambres qui sont carrément fermées à clé. Avec les gens qui demandent en fait, euh, sur certaines ailes, aux nonnes de. Euh, C'est bon, je vais mieux, je, je suis soigné, je peux sortir. Non, non, tu dois rester. D'accord. Le traitement n'est pas terminé. Ok. Et tu vois clairement qu'il y a des châtiments corporels qui sont infligés à certaines personnes euh, qui sont ici. Enfin, ça n'a pas l'air ultra joyeux. Ouais, Mais bien sûr, ben... c'est pas, tout, pas le, les pre le premier étage et le rez-de-chaussée. On l'air plutôt clean. Hein. C'est plutôt mmh. quand tu montes dans les étages ou que tu descends dans les sous-sols. Mais il y a un truc que je comprends pas. Niveau temporalité, euh, la nana qu'on cherche, elle serait là depuis quoi Un jour ou deux, non ou, euh, Ouais, deux après jours, même pas. les infos qu'on a. Deux jours À tout péter Peut-être un peu plus, parce que... Euh, elle s'est peut-être réfugiée là, euh, à partir du moment... Parce qu'en fait, elle, normalement, elle fait les deals avec son mari... Comment s'appelle les deals, ouais. les trucs? Le mec a, il a quand même fait un aller-retour en Alaska, donc ça prend un certain temps. Euh, sachant qu'on sait pas combien de temps il est resté sur place, et pendant tout ce temps, elle était pas avec lui, et donc elle est peut-être partie se réfugier ici dès le début en fait, ou à partir du moment où elle a appris sa mort. Et ça, à ce moment-là, c'est il y a deux jours, ouais. En tout cas, vous savez pas à quel moment elle est arrivée ici, ok. Bah, si elle est là, quoi, mais elle est là, ça serait court qu'elle soit pas là. Oui. <laughs> de quoi ben, Moi je vais sortir. Ok. Je vais abandonner mon costume euh... à Damasque. Non <laughs> C'est dommage. Ça drôle. <laughs> Avant de rencontrer Damasque. <rire> <rire> et, euh... et voilà. Et du coup, euh... et après, je vais contacter. Il euh... euh... y a une enquête qui a été ouverte sur le meurtre du mec. On a un numéro d'enquête associé à, ce, à ce, au meurtre du gars. Euh, oui, mais euh... en fait, il euh... y a un numéro d'enquête, il euh, y a un enquêteur, mais a priori, il a, il a, quand vous regardez, en fait, le mec, il a plein d'autres enquêtes et un mec mort dans la baie. Euh... Bah, je, je peux prendre l'enquête. Tu peux. Mais, Donc, je, je vais passer euh... par le lieutenant hein, pour voir si c'est faisable bah, le, le... En fait le lieutenant il va te dire Le problème c'est qu'on nous a demandé de pas laisser Beaucoup de traces sur ce truc là Et que tu, te... tu prends pas tes ordres auprès de lui Mais directement auprès d'un autre officier De ce qu'il a eu comme ordre Ah bah ouais mais du coup moi j'aimerais bien monter une opération pour, euh, pour rentrer dans le Dans le Dans le casino là Parce qu'il y a ouais. des gens qui sont euh, Retenus illégalement je pense Donc il euh, y a moyen de faire un... Ouais puis torturer quand même oui. Ouais, toi, euh... aussi Un truc c'est que il est rentré illégalement donc c'est pas des preuves en fait, c'est le problème. Pareil, oui. Ça moi je peux pas, moi je peux pas le dire mais euh, comment dire. Je... Ah, tu expliques à ton lieutenant, tu l'expliques aussi au mec euh, comment s'appelle de la, de euh, comment s'appelle de la canadienne en fait hein, le, parce Oui, c'est lui sur lui. Euh, euh, au, euh, au comment s'appelle, il y a aussi bah il y a le Merde, le politicien. Alors, le politicien, ouais. euh, c'est simple, hein. lui, euh, son point de vue sur l'affaire, c'est que c'est une propriété privée euh, et il euh, faut que ça soit le plus discret possible. Euh, euh, monter toute une opération de police, euh, c'est pas ce qu'on appelle ce qu'il y a de plus discret. Bah, je suis d'accord, mais enfin, on, peut, on peut, alors... Il y a deux possibilités, soit on monte une opération de police qui n'est pas directement liée à ça et on coffre les personnes. Bah à on ce vrai, il, vous, il vous dit que vous n'avez pas, pas des enquêteurs au COPS à qui vous pouvez, que vous avez, qui pouvez demander ou à qui vous filez cette affaire en disant qu'il y a une urgence euh, En gros, sans parler de cette nana euh, Enfin euh, En gros de dire qu'il y a des urgences et que euh, vous pouvez pas vous en occuper parce que vous êtes sur une grosse affaire Enfin vous démerdez vous avec vos collègues quoi mais je veux pas que vos noms euh, et que ça soit euh, lié à ce qu'on fait. Oui, bah, c'est d'accord. Mais Alors, mais le capitaine, ouais. l'autre capitaine, il dit euh, Ouais, enfin, vous arrangez comme vous pouvez. Euh, S'il y a un vernis de légalité, c'est mieux. Et puis, tant que ça... À peu près pareil, c'est tant qu'on relie pas de façon directe à ce qui se passe. Ils sont... Ouais. Donc, euh, tu montes un truc avec tes collègues du COPS que tu fais confiance ou pas Ouais, ça va être l'idée, ouais. Les, les qui Qui demande à qui en fait en, au Cops Ah je. Enfin, je demande à Rwan en fait et à Denis leur avis. À qui vous pensez être la. Moi, je... oh, c'est pas grave. Hein, je prends pas mal. Hein. Ah oui Mais toi, tu connais, tu connais, pas, tu connais pas, tu connais pas bien le Cops. Es là depuis peu je suis quand parlé. même vexé. Voilà. Tu as raison. Mais. Euh... Parce que moi j'aurais bien envie de mettre. Euh, de mettre, euh, Comment il s'appelle euh, Loman. Mmh. Parce que lui il a l'air d'être. Euh, comment dire euh, religieux sensible. Donc, euh, il arrivera peut-être à mieux euh, gérer le truc que moi. Que moi. Euh, et après je mettrais bien Sniper. Parce que quitte à mettre un gars subtil parce que non ça. parce que, parce que Littleman tu vois parce que oui. Little Man est dans l'opération et que euh, je sais qu'ils ont euh, des petites bisbilles ensemble donc euh, voilà et qui serait euh, du genre à mettre un peu de zèle s'il sait que euh, in fine qu derrière ça peut ça peut avoir un effet, un effet sur Little Man euh, sinon sinon euh, Baron non il est encore en vie lui je sais pas. Oui, il est encore envie, mais bon, c'est un qui a, qui a une des pires réputations au Cobs, quoi. Bah. Le mec aurait potentiellement tué des, euh, torturé et tué des gens hein, dans, dans sa réputation. En hein. vrai, ouais, bah... hein, Ah bon je, je, Ah non, Baron, excuse-moi, mais... non, non, c'est Pitbull, j'ai confondu avec Pitbull. Oui. Non, tu... non Baron, il est plus chelou. Oh. <laughs> Lui, c'est plutôt des coqs qu'il aurait torturé et égorgé. Mais euh, c'est rien, a... c'est des trucs redoutables. Parce que Loman, c'est quoi déjà son nom euh, Loman, c'est euh... merde, putain. C'est euh, celui qui trouve tous les trucs là. Ouais. <laughs> Et tu veux pas essayer Padré, plutôt Parce que pour Sniper, je veux bien, ouais. Euh, maintenant. Euh... Ah bah Padre, il, oui, il peut être, il peut être un peu religieux. Mais après, il euh, y a une nana euh, Proc, non euh... Je sais, plus. je sais plus laquelle est encore en vie, laquelle est euh, <laughs> sans voix, je sais plus. Je euh, que c'est celle qui est sans voix de mémoire. Hein. J'ai pas je les. Reste idées. Sans, je reste sans voix de, 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 de toutes ces interrogations. Voilà. Hop. Alors, attends, je sors la liste des cops. Euh, c'est Et après, il y, y a les flics qui étaient sur l'autre enquête. Alors, enquête de, de l'explosion. Mm -hmm. Peut aussi Donc, être... euh, Anita qui a perdu la voix. On a Bad Luck, mais je pense pas que tu as appelé. Non. <laughs> Donc euh, on a Loman qui est Arnold bon tuyau Loman. On a Selena Khan bon, Hartwood. Ouais. On a Padres, c'est pure Solo. Bon, on gêne on oublie. On a Jean Métro qui est Baron. Euh, Vini Bonacelli qui est Omerta. Tonas Odol Sniper. Euh, bon, Niv, on, on s'en fout. Douglas Collins, qui est Bull, Naomi Matsuda, qui est Oya. Hugo Sanchez, qui est Kezakol. Euh, Matthews Magdalene shark Melody Williams, qui est Diva. Sachandra Sanko, qui est Eve. kathleen Jones, qui est Cheyenne. Zou Zi, Yin. Kafou qui est Diams. Euh, Brain a disparu. La Villa Fairless ouais. et Bren disparu. Euh Domingo ah, bien, alors. Cortés, je sais plus ce qui lui est arrivé, je crois qu'il euh... euh... Ah non Cortes Non pour le coup lui il est en dépression <laughs> Mais il est là Mais voilà Bah ouais Padre pourquoi pas Padré semble pas décollant, et, euh, et puis euh, et Sniper et en toucher deux mots, voir si lui il serait prêt aussi. De toute façon, euh, tout vous leur le truc, euh, vous leur donnez quasiment un truc clé en main euh, d'une intervention. Ouais. Euh, ils euh, vous me faites tous un petit... Tout, ceux qui, bah, toute l'équipe en fait, un jet de sang-froid, euh, bureaucratie, pour essayer de te sortir un truc à peu près potable pour que ça marche, quoi. Parce que <laughs> il va falloir euh, faut, faut réfléchir au truc, hein. Même. Oui. Je n'ai obtenu que deux. Idem. Sans froid, bureaucratie. Ouais. Ouais. Bah, on, dit, compte... on compte sur vous. Deux secondes. Bureaucratie, sept. Pas bah, deux aussi, hein. Mike, <laughs> bah, on compte sur toi. Ouais, je le fais, je le fais. Alors, il est le truc Je suis certain que Mike va fournir un. Trois. Point avec, euh, Ah, tu vois, tout de suite, avec deux accoutes, déjà des trucs qui flashent. Euh, des... Alors, l'image ne correspond pas du tout à euh, ce qu'ils veulent faire passer. Hein, juste... <laughs> euh, et bah, ben, en fait, vous êtes en train de faire vos propositions. Et euh, <laughs> des tensions illégales d'animaux aussi Dans tous les cas, il y a. Euh... Vous êtes en train de faire vos trucs là. Et puis, il euh, y a un gars qui est à côté de vous, qui que vous avez un peu oublié qui s'appelle, euh, comment s'appelle, Damasque, et qui vous donne un, un papier et qui vous dit, voilà, euh, je vous ai fait le truc propre, 4 de réussite. Avec ça, ça devrait passer. Merci. Merci. Oh putain. Et on s'arrête là pour ce soir. What the fuck oh putain. Non, tu, oh, Il tu damas, hein. tu veux pas nous faire ça <laughs> <laughs> Parce que c'est drôle, moi j'aime bien. Oui, <laughs> bon, après on pourra lui ressortir hein. bah, en même temps. Il vous a trouvé, c'est un truc légal. Hein. Je veux dire, il se passe vraiment quelque chose dans le truc. C'est juste qu'il vous a, il a, tru... il a trouvé entre guillemets, le... le montage légal pour que ça soit le plus le... crédible possible, possible et que Qu on vienne pas vous le défoncer après. forme. mais oui, clairement il. C'est une brute en bureaucratie, hein, euh, forcément. Oui. Bah oui. C'est peut-être une brute à hein, que ça d'ailleurs. Hein, mais... <laughs> si, il y a aussi, là, une, je pense, une compétence qui est emmerder les cops. Ça ouais, être... mais ça, c'est une compétence qu'il a développée euh, naturellement, tu vois. Bah, elle va de part avec la bureaucratie. Hein. <laughs> c'est faux. De info, de info, ouais. euh, bah, du coup, j'envoie le générique. Merci pour ce moment et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine